Coucou. Un petit mot rapide. Non, je sais, Steph n'est pas là. Steph est à la maison en train de se masturber sur un matelas Poly Sleep. Oh yeah, Poly Sleep, meilleur matelas pour se masturber pendant que son partenaire n'est pas à la maison. Tu veux te masturber sur un matelas Poly Sleep? Utilise le code promo du Black Friday 30 couple 30. Pourquoi je crie à couple? Parce que c'est en majuscule. Alors 30 couple 30. T'as 30% de rabais sur un matelas Poly Sleep. Let's go. C'est bientôt l'hiver. Ça va être plate. Autant dormir. Autant hiberner sur un beau matelas Poly Sleep. 30 couple 30. Poly Sleep, c'est bon pour les muscles. Moi, ben, j'ai recommencé à jouer au basketball. Et après une nuit de sommeil, j'ai plus mal au dos. Puis je me défonce. Je me défonce. Ça paraît pas, mais je me défonce pareil. 30, couple 30. On part le podcast. Le podcast, il est chaud. Le podcast, il est hot. 30, couple 30. Bon podcast. Bravo pour cette aventure en coulisses. C'est gentil. C'est, en fait, on dévoile les secrets du show business. Oui. On a des... Hein? Incroyable. C'est comme le magicien qui dévoilait les taux. Là. Ah, lui, il était cool. Oui, vraiment. Il était masqué. Oui, puis tout. À la fin, il enlève son masque. Oui. Oui, j'adorais cette émission-là. Mais il s'est fait sortir de l'industrie de la magie parce qu'il a dévoilé les... C'était oui, vraiment quelque chose. Oui, c'est pour les plus jeunes ou pour ceux qui étudiaient à l'école. À TQS, il y avait un show qui s'appelait Le magicien masqué, oui. Qui dévoile les trucs. Il est sur Netflix, je pense, maintenant. Je pense qu'il l'a mis, ouais, hein? Mais ce qui est génial de ce truc-là, c'est le truc pour t'accrocher. Il disait, m'a enlevé mon masque. M'a dit mon identité. Puis tu restais, c'est qui? Puis à la fin, il enlève son masque. Puis tu réalises, mais on s'en fout, je sais pas, je serais pas c'est qui, mais oui! Ça n'a même pas rapport. C'est comme, OK, il ressemble à ça. Salut, c'est moi. C'est pas comme si, hostie, papa! T'es un magicien! Crosseur tout ce temps-là! What? Mais non, c'est juste. Eh oui, il y a. Puis aussi... Un monsieur magicien de l'Arizona, là, tu sais, genre. Il vendait pas de billets, mais il s'est dit, mais si je vends les trucs. Je me suis dit du truc pour faire disparaître l'éléphant dans une cage. Il fallait juste qu'entre les barreaux, tu mettes des petits miroirs. Ça manque d'explication, ma chérie. Je sais pas comment dire autrement. Oui, mais c'est juste... Pourquoi tu le dis pas, j'ai pas compris les trucs? Pourquoi? Tout le monde sait que tu comprends pas. C'était juste c'était comme un petit miroir qui reflétait dans un endroit de la cage que l'éléphant est pas, right? Fait que là, okay, le on reflet... va faire quelque chose. Prochain show, tu vas te prêter un éléphant. T'es pas capable. Ça marche pas de même. On met des petits miroirs ensuite. Je pourrais te... Il y a aussi le truc de couper en deux, que finalement, c'est deux personnes. Je me souviens de tous les trucs. Ça fait juste deux. Ça dure genre 9 heures. Ah! Tous les trucs! Deux personnes! Non, il y a aussi celui qui marche sur l'eau puis c'est du plexiglas! Le meilleur, c'est quand tu réalises que la majorité des trucs, c'est et une fille avec des gros totons. Ils demandent leur carte avec les gros totons. Et là, pour faire diversion? Ouais. Mais oui, c'est ça. Il était habillé très léger aussi. Hop. Qu'est-ce que t'écoutais, toi? Moi, je me souviens, là, on passait des nuits à écouter Vision mondiale. Ça jouait pendant des heures. Comment qu'elle s'appelait, la madame faisait ça, elle avait les cheveux blonds, c'est une comédienne. Sylvie! Non, Sylvie... Sylvie Legault. Wow. Te souviens-tu de Sylvie Legault? Une grande comédienne. Qui sauvait les pauvres. Oui! J'écoutais pas ça, mon amour. Tu pouvais parrainer un enfant, puis tout. Là, c'était touchant. Hey, on passait l'été en dedans, dans le sol. Écoutez ça! Hey, c'est rough, la barre! Mon amie Jessica, coucou! Dans son sous-sol. Tu sais, les sous-sols aussi,
avec des restants de décoration des années 80. C'était genre turquoise et mauve. Les sofas étaient genre dans un genre de velours noir. Puis il y avait un bar avec des miroirs dans le coin. Puis... t'aimes, chérie. Ben de la liqueur. T'aimes, chérie. Il y a personne qui a ça. Non, mais tu sais, les bars de sous-sol, il n'y a pas juste... Tu sais, merci. Mm-hmm. Les bars de sous-sol. À part dans C'est comme ça que je t'aime, puis tes souvenirs, il n'y en a pas de bars de sous-sol. Non, les bars de sous-sol, des fois, il y avait bien du miroir, ou des fois, sinon, il y avait une inspiration. Ça revient souvent, les miroirs, mon amour. C'est un truc. Tu pouvais faire disparaître un éléphant dans ce sous-sol-là. Les miroirs fumés aussi, c'était la mode. Non, c'était mes pas la mode. Mes parents, dans leur chambre, il y avait un mur en miroir. C'est pour ça qu'on a des baisers. Je sais. J'ai compris ça des années plus tard. Puis tu sais, une année, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai passé à balayeuse, puis j'ai bang, puis ça l'a fait une grosse... Ouais, j'ai pété le... Parce que tu savais, intrinsèquement... Non, je savais pas. Tu regardais baiser, puis tu voulais arrêter ça. Puis je me suis sentie tellement mal, parce qu'un miroir de 8 pieds par 12 pieds, ça coûte quand même cher. Effectivement. Puis ils l'ont pas réparé. Tu peux demander au magicien qu'il y ait des petits miroirs pour les éléphants, parce que tu prends des grands miroirs pour... C'était la belle époque des Lido aussi. Ça, c'est terrible. As-tu baisé dans un lido? Non. C'est pas bon. T'as déjà fait ça? J'ai essayé. On a arrêté. Ben, je... Parce que tu pognes une swing, tu fais, voyons, calice de ceci. Mais non, mais c'est clair. Tu pognes le mal de mer, même. Oui. Oh. Puis c'était à l'époque où j'arrivais pas à m'enligner dans les chattes. Ah, c'est ça. Hey, déjà, c'est tough si t'es enligné dans une chatte sans utiliser tes mains. Là, en plus... T'es sur le truc qui bouge, fait que là, la chatte, elle bouge. Toi, tu bouges, fait que ça fait... Fais chauffer l'eau aussi. Puis j'éjaculais quand même. Fait que, tu sais... C'était... J'ai appris à m'excuser. C'est une erreur, c'est dans le passé. On passe à autre chose, c'est tout. Je suis venu vite, bon, c'est tout. Wow, amenez, calice. Tout le monde dans ma famille a eu des lidos, puis moi, quand je suis devenue assez vieille pour en avoir un, c'était passé de mode, fait que je suis la seule qui a pas eu ça à la maison. Puis, t'es la seule qui est à l'université. Il y a peut-être un lien. Hein? T'es la seule qui est au-dessus de tout le monde. Mes parents avaient un lido rond. Ton père et ta mère... En plus du mur miroir. C'est deux cochons. C'est deux cochons. Ouais. Ils étaient épanouis. Ça fait des beaux enfants. Hein? Ton frère est pas le plus beau. Ben oui, mais c'est sûr que ça serait vraiment étrange que tu trouves mon frère plus beau que moi. Pas étrange. Non, c'est... Moi aussi, c'est Thomas. Je l'aime, ce gars-là. C'est Thomas. Ton Twitch, je t'aime tellement. On peut pas... T'es l'ami de la famille. Sais-tu quoi? À Noël, il est là. Puis ta mère va le gérer. Puis il fait juste dédouaner tout ce que tu fais en disant... C'est Thomas. Ben ouais, il est en robe de chambre, il est 4 heures. C'est correct. Ah! Oh. Mais toi, t'avais pas de déco des années 80, 90? Y avait pas ce thème-là chez vous? Les stores verticaux, là, avec des designs dessus, là. Ah, nous, c'était power. Non, c'est chez nous, mais merci. Les armoires de cuisine étaient roses. Non, c'était comme pique maison des années. Ça a été bâti l'année de ma naissance, la maison de. Fait que 87. Fait que c'était genre l'apogée, là, du design. Ma maison date de 1939. Ah! Oh. Je suis dans une vieille maison. C'est vrai? Oui. Oh. C'est la fin la moins intéressante que j'ai dit du podcast. Non, mais moi, je trouve ça full intéressant. Puis genre, Megan, elle aurait pu travailler là puis raconter l'histoire des gens. Fascisme! Hey! En 39, il y avait un gars, il parlait fort puis il convainquait bien du monde. Hein? Ben, en tout cas, moi, j'ai passé des belles années dans le sous-sol à écouter Vision Mondiale. J'en reviens pas que t'écoutais pas ça, mais ça aurait été full ton genre d'écouter. Écouter des enfants pauvres, morts, ben mais juste de faim. On avait le câble, puis on faisait ce qu'on pouvait avec le câble, tu sais, je veux dire. J'aime aussi le premier ciboire envers toi, j'aime ça. Ben, les pubs de Cool Rock, puis de Red Hot, puis. Hein? Toute mon éducation musicale est partie de là. La playlist à l'entraque. C'est juste ça. Cool Rock. C'était quoi? Moi, le truc que j'écoutais le plus dans le sous-sol, mais j'étais plus vieux, là, c'était tous les pseudo-reportages érotiques d'Anne-Marie Lozic à Canal D. Ça, je me suis masturbé là-dessus. Avec des porn stars qui font « Moi, j'aime ça tout le temps, le pénis! »« Ah, oh, j'aime ça! »« M'envoyer mon pénis à moi! » J'aimais ça, là. J'aimais pas Marie Lozic, j'imitais les filles qui l'interviewaient. Comme moi, comment c'était la porn à 18 ans? Ils expliquaient leur cheminement dans la porn, puis je me mets sûrement en disant, elle a du courage. C'est
C'est une go-getter. Ben... Elle s'est rendue qu'elle réalise elle-même ses vidéos porno. Tabarnak, elle apprend vite. C'est une entrepreneur. 100%. J'aimais ça. Parce que je suis féministe. Non. C'est quoi le féministe? C'est se masturber dans son sous-sol. Voilà. Ben... Fait qu'il y a beaucoup d'hommes féministes, hein? Plus qu'on pense! Mais je vois pas pourquoi ça serait pas féministe se masturber dans le sous-sol. C'est rien. C'est juste absurde. C'est juste non, mais c'est le fun de mettre des étiquettes sur toutes, là. T'as raison, c'est une étiquette. Pis c'est grossophobe aussi. C'est low-key. Bon, sur ces beaux souvenirs télé, maintenant on fait du web. Tu vois, t'as nos deux expériences mutuelles, comme moi, aider les pauvres Africains. C'est moi le pauvre pis Africain? Toi, non, toi, t'aidais les jeunes pornstars entrepreneurs. J'aidais personne. On met ça ensemble, pis ça donne couple ouvert. Ah, j'ai envie de parler de ça. Ça n'a pas vraiment rapport, mais ça a un peu rapport. C'était tellement frustrant. Ça, je parle aux gens de 30 ans, là. Quand tu... Avant Pornhub. Ah, bon, ça y est. Fallait downloader notre pornographie sur LimeWire. Ouais. C'était rat. Et Napster. Oh, tabarnak. Tu vois, le gars, faut qu'il fasse la maison. Son Napster? Faut qu'il fasse la maison. Lui, déjà, son Napster. T'es comme, fuck Limp Bizkit. Je veux Jenna Jameson qui suce un marin. Il y en a au moins un qui comprend ma référence. Let's go. Ce qui était fucked up de lever sa porn sur LimeWire, oui. C'est que tu commençais déjà à te masturber avant que la vidéo soit... Oui. Puis... Là, tu cliquais. Puis là, t'espérais vraiment comme, oh, tout brunette. Oui. Qu'une lingus. Oui. Puis, c'était pas tout le temps ça. Non, je comprends. Des fois, c'était « Two grown men sans cul ». Puis t'étais « Sais-tu quoi? Je suis seul. J'ai pas beaucoup de temps avec le papa revient à la maison. Me masturber là-dessus. Ça va être ça. Sans cul. Sans cul. Ouais. Ben, sur ce. Sur ce. Est-ce qu'on accueille. On accueille un gars qui s'en. Two brunettes qui s'en cool. Non, mesdames et messieurs, on reçoit un artiste extraordinaire, drôle, pertinent, percutant. Mesdames et messieurs. Veuillez accueillir Preach! Commencez à apprendre que t'es tout brunette qui sent cool. Tout brunette qui sent cool. Hey. Ah, ça m'a vu étant de LimeWire. C'était fucked up. Qu'est-ce que tu tapais pour trouver des affaires? Ah, tout. Tout. J'avais beaucoup trop de temps. Une insomnie qui commençait. Évidemment, ça a commencé genre en 97. Avec titties, oh, et ouais. S'en suivi d'une titties, man. Juste titties, titties. Sex. Vagina. Moi, je vous jure, ça, c'est moi. Moi, j'ai toujours pensé que j'étais plus sophistiqué que je le suis en réalité. Moi, je disais nude. Parce que dans ma tête... Oui, c'est parce que les bannières partout avaient nudes, ouais. nudes. C'était juste ça qu'il y avait, tu sais. Fait que là, genre, ça... Tu sais, genre, tu downloadais ça, là, pis t'avais, genre, la photo d'une fille, là, sa face, tu sais, genre, oh, shit. Asiatique, une pieuvre, what the fuck? Tu comprends pas le contexte, là, des gars? Ça a fait de la sexualité, man. De la mauvaise façon, là, disons-le. Ouais. Ah, je suis pas rasé. C'est pas grave. Yo. J'ai vu une pieuvre. Vas-y, mais j'ai vu une pieuvre, là, avec hey, ton petit poil, là, amène ça ici. J'ai un poil incarné. Ouais, c'est le moyen. Tu le pop. Ah, c'est nice. Il y a du monde qui aime ça popper les boutons, right? Avouez, il y en a. C'est sûr qu'il y en a. T'as-tu une passion pour Dr. Pimple Popper? Non, ça, je ne peux pas. Tu sais pourquoi? C'est parce que je peux pas regarder ça, OK? Parce que ça me rappelle les œufs. Ah, ça oui, me fait penser à ça. Puis j'ai une aversion, OK? Je peux pas. Moi pis les œufs, ça fait trois. Ah oui, il sort de la pièce. Il y a un autre podcast qui s'appelle Arc, que c'est Pascal Cameron. Ouais. Je suis la première émission. Je vais présenter mes premiers épisodes. Puis on parle, dans le fond, le concept, c'est de parler de qu'est-ce qu'on n'aime pas. Puis moi, je parle des œufs. Puis là, t'as Pascal Cameron qui fait son introduction de « Hey, bienvenue à Arc, c'est un nouveau podcast parce qu'on parle des affaires qu'ils n'aiment pas. » Puis pendant ce temps-là, moi, je pense aux œufs. Puis
je file pas. Allez voir la vidéo, ça vaut la peine. En 45 secondes, je pars aux toilettes vomir. Ah! Juste à penser aux œufs. Je peux pas. Ben je peux pas. Tu sais, il y a des filles qui sont comme si je pense vraiment fort à un orgasme, je peux orgasmer. Moi, je peux vomir. Ça n'a pas la même notoriété, là, mais. Oh, génial! J'ose penser que. J'ose penser que. Est-ce que le modus operandi, c'est pareil? Ouais, je sais pas d'où ça vient. Je sais pas. Tu sais, mettons, je scroll puis je regarde des recettes, là, sur Instagram. Ah, j'ai des œufs. Non, non, non. Je m'en vais, là, genre, chez Cora avec ma blonde puis je regarde. Ben, le cauchemar, un restaurant. Je peux pas, je peux pas. Non, non, quand elle met son œuf, son pain pour le manger. Ah, c'est génial. Mais en plus... Hey, man, de la mayonnaise, si je sais pas qu'il y en a, c'est correct. Mais si je le vois, comment de la purée de... la purée de menstruation de poule. C'est un œuf non fécondé. Je vous remercie. Bon. On est sur la même longueur d'onde, là. J'ai l'impression, là. Ouais. C'est ça, là. Bonne chance. Mais en plus, pauvre, toi, tous les restaurants de déjeuner, il y a le mot œuf dans... Je suis... Non, mais, tu sais, c'est ça. Je regarde pas, là, fait que c'est correct. Mais... Je suis le seul weirdo, je m'en vais, mettons, là, chez Cora, là, je commande un gargantua. Okay. C'est tout, mais je suis comme, un gargantua, ouais, pas deux, s'il te plaît. Pas d'œuf? Pas d'œuf. Non. Pas d'œuf. Là. Là, tu le répètes une autre fois, je te cochonne ta table, c'est clair? Je vais être désagréable comme ça, mais. Ah, ouais, non, je sais pas pourquoi. Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas. Pêche. Non, on fera pas la psychanalyse des œufs, là, tabarnak. Comme moi, mon amour. Ah, non. Sûrement à cause de la relation avec ton père. Ah, mais t'as-tu des petits guilty pleasures YouTube? Tu sais, genre Dr. Pimple Popper de ce monde? Non. Non? Non. Ben, non, Oh. Ah, parce que moi, j'en ai un nouveau à chaque mois. Là, tantôt, j'ai parlé de Doug, de Bounty Hunter, sur qui j'ai passé la semaine. Ben, peut-être pas sur YouTube, mais je suis une page Instagram. Ça me fait mourir de rire. Je sais, je suis une mauvaise personne. Ça s'appelle Kids Getting Hurt. Ah oh, oui! Ça? Oui. Tabarnak! C'est drôle, là! Oh! Oh! Hey! Je pleure! Hey! Hey, ça là, ceux qui savent pas c'est quoi, c'est tellement beau. C'est de la poésie là, c'est des. Ok, y a Kids Getting Hurt, y a America Got No Talent. Oh wow. Puis y a le troisième, les c'est Darwin Awards. Non, Darwin Awards. Puis y a Girl Who Slam. Oh. C'est des filles qui font du skate puis qui se pètent la gueule. Oh my God! Mais Kids Getting Hurt. Oh, wow! Oui, les enfants, ça rajoute une petite couche. Ah non, ils s'en vont avec son big wheel, puis tu sais, votre pétale gueule. Pap! Ils se pètent la gueule! Wow! Toi, comment tu me... Je sais. Mais c'est délicieux. Ah, c'est... Moi, je trouve que c'est une poésie. Je comprends. Je trouve que ça rapporte de la balance dans ce monde. C'est bon pour le karma. Des petits kids qui se pètent la gueule. Oh, moi, je dois avouer en toute humilité que America Funniest Home Video, je peux pas écouter cette émission-là parce que je ris à chaque vidéo. Puis je le sais, là, puis je me dis, genre, OK, la prochaine, m'a pas rire. C'est juste quelqu'un qui tombe. Puis je peux pas. OK, mais le plus drôle, okay, je répète, vas-y. Moi, je gâche la réputation à Steph. Elle ne peut pas regarder le coyote. Elle ne peut pas regarder le roadrunner. Elle n'est pas capable. Elle regarde un sketch, elle pleure. Elle pleure. Puis elle dit, le prochain, je ne pleurerai pas. Puis ça, c'est Steph. Puis elle tremble. Puis c'est genre le coyote qui rentre dans un mur. Fais un zoom sur ma face de jugement. Mais il est tellement ingénieux! C'est drôle pour vrai! Ben moi, je suis un peu comme ça pour Kids Getting Hurt. Pour de vrai, là, ça... Tu ris pas de l'humour de 1941? Non, ça finit souvent avec une petite dose de racisme. Puis... pour de vrai! Non, mais, aller regarder des Looney Tunes de ce temps-là, c'est... Ah!
atroce, là, t'es comme... Wow! Puis, mais... C'est supposé être drôle! Elle est fucked up, les stéréotypes. Toutes les communautés. Toutes! Non, ils connaissent tout le monde. Tout le monde. Mis à part les Blancs. Hey, by the way, là, Picsou, c'était le fun. Chris, t'es un juif, hein? Ouais, un juif et un écossais, c'est fucked up, là. Ils sont vraiment comme... C'est, je jure, c'est fucked up. Tout... Ils nous ont... Ils vont. Ils nous ont brainwashed, là. C'est fucked up, là. Je fais un malaise? Ben. Non, pas du tout. En disant juif! Non. Non. Non, tantôt, on s'est amusé. Ah non, t'inquiète, j'étais là. Oui, j'ai vu. Je... Mais il est pas parti! Ça a swingé dans parenté, hein? Si tu tenais à ta carrière, t'aurais fait « Oh, non, j'ai pas besoin de faire ça. » Mais non, je me suis dit « Chris, faut que je vive ça. » Let's go down! Ensemble, les trois. Oh, man. T'as-tu des souvenirs télé, sinon, des années 90, comme j'en genre Vision plein. Mondiale? J'en ai... Mais pas Vision Mondiale! Mais Vision Mondiale, mais non! Toi, comme un cartoon des années 40, c'est ça? Hey, des noirs qui meurent de faim. Call it. Ah, pis... The eyes of an angel. Je peux pas bouger. C'est fini de là. Avec Sarah McLachlan. The eyes. Oh. Pis on dirait, là, hey, pour de vrai, là, quand t'as un 5 minutes de pause, les pubs, on sait, là, guys, right? C'est 30 secondes. Oui. Vends-moi ce que t'as à vendre en 30 secondes. Fusion mondiale se gâtait avec un petit joyeux 2 minutes, hein? Poche, mais non, mais... C'est comme sur 20 minutes, t'avais 2 minutes. Comme, hey, c'est correct, on l'a vu, là. Oui. Non, non, mais... Ils ont faim. Oui, ils ont... C'est beau, c'est correct. Insensible à ces enfants-là, j'ai compris. Mais des souvenirs de jeunesse, j'en ai... Joke cheap sur la Vision mondiale? La joke cheap sur Vision mondiale? C'est quoi? T'as faim? Mange la mouche dans ton œil. Plein de vitamines là-dedans. Plein de vitamines. Ah, ben, Yudo, il est bien trop faible pour l'attraper. Qu'est-ce que tu me racontes? Hein? On soit conséquent dans tes idées. Moi, j'ai le droit, OK? C'est ses cousins! C'est ses cousins! C'est mon privilège blanc. Ah, oui. Bon. Non, mais des souvenirs de jeunesse. Man, moi, ça va trahir mon âge, là. J'ai 39 ans. Ça paraît pas. C'est peut-être Maybelline. Non, bitch, c'est moi. C'est le privilège, moi! Moi... 39 ou 14, on sait pas. On sait pas. On saura jamais. J'en ai plein. Michel Richard, Garden Party, je m'en rappelle. Ah! Oh, Ciboire! Oui! La seule affaire qui peut décrire ça, c'est Ah, Ciboire. Tagline, c'est Ah, Ciboire. Je me rappelle de ça. Ma grand-mère, qui est une immigrante que tu avais ici en 88, mes parents l'ont fait venir ici de en amour avec... Michel Richard? Non, avec... qui est cette belle inconnue? C'est quoi? Michel Louvain. Michel Louvain. Hein? En amour? En amour. Elle n'a pas de guédard. Non, zéro. Zéro. Zéro le guédard. Non, mais hey, oublie ça. En amour. Là, à 5 heures, il y avait une émission à TQS. Puis. Oui, c'est lui avec des vieilles femmes. Ouais, exactement. Ben, c'est ça, ma grand-mère. Puis on pouvait pas, on se battait là, si je changeais le canal. Là. Pas vrai que j'allais regarder. Là. Pas vrai là, qu'à 6 heures, j'écoutais le Club des 100 watts si je me faisais garder par ma grand-mère. Non, c'était Michel Louvain. Qui chante à des vieilles. Ah ouais, ouais. Il manque de show des homosexuels dans le placard qui chantent à des vieilles. Ben. Il manque de ça à la télévision québécoise. Il y avait En mode salvaille. La différence, c'est qu'il chantait pas. Est-ce que c'était un mensonge? Merci, c'est tout. Moi, j'écrivais sur En mode salvaille, puis c'est la grille d'écriture la plus facile. Parce que tu regardes Jimmy Fallon sur YouTube, tu le traduis en français. Puis tu... C'est super facile. Puis tu le rends un peu cheap aussi, ouais, là, parce que... Cheap, moi, je travaillais... Moi, j'étais... Oui, c'était bouncer! Non, c'était pas bouncer là-bas. Moi, j'étais boss boy à cette émission-là. C'est en 2013. Puis je me suis agressé par lui, man. Ouais? Ouais, man, je me suis agressé par lui. Ouais, un moment donné, c'était la première saison. Il finit le show, il fait des câlins à tout le monde. Il fait tout le monde qui était dans la salle sont partis. Ils font un câlin. Ils font des. Tu sais, il fait des. Ah, merci, je t'aime, merci. Il arrive à moi. Il fait comme. Veux-tu un câlin, toi? Puis je suis comme. Un câlin. Ah, ouais, donc. Est-ce qu'on me met ça ici? Félicitations. Puis il met ses mains dans mon bas de dos, puis il colle son. Il fait comme. Ah, ouais, vas-y, colle ton bas de corps. Colle ton bas de corps! Colle ton bas de corps! Colle ton bas de corps! Ouais, fait que depuis ce temps-là, à l'Astral, il m'appelait Johnny Caneton.
Parce que mon pénis, c'est une canne d'espoir. Oh! Wow! Mais colle ton bas de corps, puis là, t'as senti, puis je suis comme, non, tu dois vraiment en avoir une petite. Puis c'est là qu'il est. Non, je l'ai vu, il y a un gros pénis. Ben, moi, je l'ai pas senti. En même temps, comparé à quoi? Non, c'est... C'est fucked up parce que je le disais, j'en ai parlé avec une couple de personnes, j'en ai parlé à Mike en plus avant que ça sorte, puis finalement c'est sorti des médias pis tout. Le Mike avait comme oh shit, était comme oh fuck, ok, parce que lui il savait pas non plus. C'est une très bonne imitation de Mike. Oh shit, c'est une très bonne imitation de Mike. Oh, ah ben c'était vrai. T'sais, gars, ouais. Ah, oh. Ça va frette? Non? Cool, on continue. On s'ennuie. Juif dans un coin. C'était un complot juif. Oui. Rick? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, oui, absolument. Mais c'est ça. C'est quoi d'autre? Quel souvenir que j'ai si on parle de souvenirs de jeunesse? Ben c'est ça. Le hey man, moi, santé. Yo, moi, je suis un fan fini, mais comme tout le monde. Je suis quand même personne qui déteste cet homme-là. Puis si tu détestes cet homme-là, c'est toi le problème. Marc Labrèche, je suis un fan fini. Okay? Oh ouais! Puis moi, fini. Mais au club des 100 watts, il faisait le prof bof. Mm-hmm. Christ, qui était bon. Puis là, même dans ce même temps-là, Normand Brathwaite avait une émission qui s'appelait Beau et chaud. Ouais. Il faisait des chroniques là-bas, puis un moment donné, il appelait une grenouille qui s'appelait Yolande. Oui. Pourquoi je me rappelle ça? Mais je trouvais ça tellement drôle, là. C'était malade. Ce gars-là, il semblerait qu'il faisait ça à ses enfants. C'est Normand Brathwaite qui disait fais-le. Yo, c'est tellement. En tout cas, il était. Qu'est-ce qui est drôle? C'est un génie. Ouais. Je pense que lui. Lui et Anne Dorval, c'est mon couple parfait. Oh, mais wow. C'est même, c'est pas un couple, mais Anne Dorval. C'est un couple de création. Moi, je la trouve chaude, Anne Dorval. Elle l'est. Je la trouve chaude. Je suis comme, vas-y, crie-moi après. Hey, Lola qui pète une coche, vas-y, macho. Tasse-toi, Pete, là, tu gosses. Oh, ouais. Non, ben oui. Ah, je te souhaite de vivre ça. Anne, fais ça. Ouais, quand j'étais petit. Ouais, Lola, j'avais comme deux extrêmes. Mes deux crushs Chambranville, c'était. Quoi? Tu m'as demandé! T'as posé la question! Là, tu m'as trigger, ben j'y vais! Mes deux crushs Chambranville pour aucune raison. Comme là, je vais y aller, là. On y va! Sans droit, sans gauche, je n'avais pas rapport. Lola, oui. Marjo Thériault. Oh! Je sais pas si c'est les yeux perçants, le petit crazy eye, je sais pas c'était quoi, là. Qu'est-ce que je ferais ça? Encore à ce jour. Une autre fille que je trouvais vraiment nice. Tous les cris, les SOS. Julie. C'est-tu Julie? Marie-Denise Pelletier. Non, Marie-Denise Pelletier. Oui, c'est ça. Yeah, c'est ça. Marie-Denise. Wow. Okay. En passant, j'espère qu'elle va entendre ça parce que c'est rare que des hommes. Avouent ça. Ça va lui faire un beau velours. Ben, c'est juste parce qu'elle est enrobée puis je suis noir puis moi, je suis comme, yeah, girl. En autant que je vais avoir une face, cette femme va avoir une place pour s'asseoir. Bref! On a... Bienvenue à Couple ouvert! On envoie ça dans l'univers! Non, sur Internet, ça va se rendre. Ben, c'est ça, l'univers... Ding, 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 ding! C'était mon bruit de modem. C'est réussi! Ouais, Pentium 4. Pentium 4. Ah, des crushs de ça, jeunesse. C'est qui, moi, c'était Patrick Bourgeois. Cool. Mais oui. Ouais, mais genre, très jeune. Puis même que mon grand-père avait dit à ma mère, comme, est-ce qu'il faut intervenir parce qu'elle a 4 ans, genre. Puis Patrick Bourgeois. Oh, ouais, c'est mon premier show que j'ai vu à vie, c'est les bébés au Spectrum. Wow. Ouais, j'ai à aussi... 4 ans? Qu'est-ce que tu colles, c'est là? Mais maman! Ma mère m'a amené voir les bébés au Spectrum. J'ai aussi vu Mike Ward Aïssab au Spectrum. Pas à 4 ans, mon amour. Salle mythique. Non, 10 ans plus tard. Ah, bon move. Ouais. Not bad. Ouais. Not bad. Oui, une belle salle. C'est triste que ça ait fermé. Je pense qu'il y a spectrum, des condos maintenant. Ouais, c'est genre une espèce de... C'est en face de l'Astral. Ouais. C'est ça, c'est rendu genre à côté du Dairy Queen puis du... Ouais. Tu sais, le Viette, là. Ouais. C'est pas du racisme, c'est comme ça que le resto s'appelle. Oui, c'est le Viette. Ouais. Le sésame, le sésame, puis tout, là. Oui. Le gros trou béant qui est. C'était là. C'était le Spectrum. C'était là. Moi, j'étais voir Diams là-bas. Oh! Voilé ou pas voilé? Clairement pas voilé. Parce qu'ils ne savent pas, ouais, Diams est rendu voilé, man. Elle est rendu.
Ouais, bro, ouais, elle a ouais, le flip, là. Elle, elle a trouvé elle son homme. Flip, là, mais elle a trouvé son homme mortel. Elle l'a trouvé! Là, elle a un numéro de téléphone, ma fête. All right! Fait, pour de vrai, Google, Google Diams, tu sais, genre, qu'est-ce qu'elle est devenue? Ah, ben, j'aime que ce clip-là, il est tourné intégral. C'est la fois la plus française du monde. Ils ont tourné un clip dans la grosse la biosphère à Montréal. Calice de français. Faut être français pour voir la biosphère à Montréal. Ouais, ouais, faire... comme... Ah, je kiffe. Calice. Non, mais c'est le pavillon à Merloc, c'est oh, normal. Ah, oh, calice. Ouais, le style, ça retourne à Marseille. Ça a du style. Hein? Pas tant. Quoi d'autre? Est-ce que t'as d'autres crushs? On dirait que je veux pas t'interrompre. T'as-tu d'autres crushs à nous dévoiler? Quoi, d'autres crushs? Ah, j'en ai eu plein, là. On a donné du temps, on a du fun. J'en ai eu plein, là. Mais toi, Tom, c'est quoi ton crush? Mon, au pluriel. Ah, ça, c'est Anne-Marie Wittenshaw Musique Plus. Ah. Oui, j'adorais Anne-Marie Wittenshaw Musique Plus. Elle a est... Christ, qu'elle a pas approuvé, elle. Oui. J'aime ça. Fille qu'elle a pas approuvé. J'aime beaucoup ça. Moi, j'aimais beaucoup oui. Olivier Jam Music Plus. Ben oui, oui, oui. J'aimais ça. Oui. Ouais. J'ai raison. Ah ouais. Ouais, tout... ouais, la fille hétéro, elle est comme, mais voyons, les gars hétéros font la disco, ah ouais. DJ, recherché. Tout du beau monde. Moi, j'étais plus Shelly. Shelly, c'est quelque chose. Puis, Yeah! Puis, étant donné que je suis... Ben, c'est pas que c'est un crush-crush, c'est comme... Chris, c'est bien cool, hein? Je vais juste être ami avec. Mmh. Mais crush, jeune, Varda, Elizabeth Powell, là, dans l'autre génération en avant, mais moi j'étais comme, allô les filles. Ça va? Oh. Mais ouais, ben, c'est cool. J'aimais beaucoup ça. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui m'excitait aussi? Beaucoup. Vous vous souvenez de la fosse aux lionnes? Ouais. Je m'excitais parce que c'était fausse aux lionnes. Parce que c'était quatre femmes d'âge différents. OK, je pensais que tu parlais de Félinda, tête de tigre. J'étais comme, ouais, attends. Excuse-moi. J'ai juste, c'est moi. Non, c'est ma faute. C'est ma faute. C'est moi qui. Félinda. Oui, la fois là, on est. Oui, on est back. Même page. On est back. Félinda, ça marche. Elle était très belle, Félinda, tête de tigre. Oui, mais c'est comme. C'est pas ça qu'on met en question, là. C'est pas ça qu'on a. Moi, j'avais plus peur qu'à être excité, mais oui, absolument. Vous souvenez-vous la première fois qu'à Fort Boyard, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de tenir une fille dans ses bras puis de mettre les pièces de monnaie sur elle? Oui, et s'y est marqué. Moment clé, man. Après ça, tout le monde a refait cette place. J'étais comme, t'es bien cave, t'as un chandail. Ouais, non. Juste, rien n'était plus performant que la fille. Elle voulait juste montrer ses pipes. La personne qui ouais, tient. Ben oui, tout le monde est content. Là, hey, il ramasse faire, plus de scènes. Je peux faire plus de voyages avec mon chandail qu'avec une fille là, dans les mains. Oui. Je suis pas sûr, moi. Je sais pas ça. C'est sûr. Mais parce que un grand chandail. C'est ça, c'est parce que ton chandail est plutôt long. Voilà, mais c'est pas tout le monde qui a ta situation. Ben, c'est ça que je te dis. Moi, je pourrais pas mettre... C'est ça. Non, clairement pas. Ben, c'est pas pour que tu rentres dans tes pantalons puis tu le desnaps dans le dessous. Parce que c'est un body suit, là, tu sais, fait que ça se prend mal. Anyways, c'est un body... Non. Ah, ça va d'un body. Elle dit oui, Adam. Elle dit oui, elle savait. Non. Oui, je l'ai vu faire pipi. Puis c'était très long. Non, j'en ai deux body, mais je les adore, mais c'est vraiment quand même plutôt long, là, quand tu vas à la salle de bain. Puis même des fois, je suis comme, j'ai envie, mais j'aime ton body. Non, mais moi, pour de vrai, shout-out aux filles l'été, là, qui sont comme, ah, yo, aujourd'hui, je me trouve belle, je me trouve nice, je vais mettre un petit One Piece. Puis yo, vous êtes belle dans votre One Piece, mais moi, je pense à quand vous allez pisser, puis que vous êtes tout nu sa bol. Ce moment-là arrive, là. C'est ce moment-là arrive. Je sais pourquoi. Je sais que ça arrive. J'ai dû apporter une chienne un moment donné. Tu comprends? Tu comprends ce que je fais, bro? J'ai dû apporter une chienne comme, ah, oh, man, vous êtes fort. Yo, pour de vrai, les filles, vous n'avez pas assez. En plus, les filles, tu vas mettre dans un club sale, dégueulasse. Les filles, vous avez déjà... Fait que je comprends pourquoi vous êtes... Yo, arrêtez de dis les filles qui s'en vont deux aux toilettes, OK? Ils en ont besoin. On a besoin d'aide. Tiens-moi les mains, Caroline. Je vais pas y toucher. C'est dégueulasse. Oui. Les filles n'ont pas assez de crédit pour l'effort que vous mettez, man, pour sortir, là. Tabarnak, un One Piece. Tu te ramasses tout dans ta position la plus vulnérable. Tout ça pour impressionner des gars. Tout nu. Mais attends, dans une flaque de pisse pas claire. Oui, ton vêtement, il traîne dans une flaque de pisse pas claire. Puis il y a un petit jour d'importe, des fois. Ah oui? Ouais. Il y a quelqu'un? Ben oui, tabarnak est fermé. Oui, t'es comme ça, tu pisses, toi-même. Qui pisse comme ça?
Les filles, pour de vrai, chapeau, vous êtes nice. C'est extraordinaire. Vous êtes fucked up. Mais ouais, 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 oui, oui, oui. Mais oui. Oui. Mais oui. Oui. Mais oui. Moi, dans, moi pour de vrai, man, moi, si j'avais apporté un bodysuit, je me pisserais dessus. Non, mais attends. À chaque fois, faut que je. Attends. À chaque fois, faut que je desnap le shit? Non. À chaque fois, là, faut que je desnap, là. Non. À chaque pipi. Yo, Dieu seul sait que je pisse, OK? Jesus Christ. Tu bois beaucoup, tu bois beaucoup. Yo, c'est ça, là. Déshydratation. Une bière, deux bières, ça se passe. Ces soirées, là. Hey, lui, c'est fini vite, hein? Ah, bref. Un hit. Un hit. Dead, là. J'espère être le pas sniffé parce qu'il n'y en aura pas. il chill avec le gars qui fait la vallée de Dana. Mm-hmm. Il chill en son ouais, la vallée de Dana. C'était bon, notre chanson, oui. Oui, bon. Ouais, c'était bon, votre chanson. Tu nous du médiéval, une, toune. Je peux-tu gâter la vallée de Dana pour vous? Le gars respire beaucoup trop dedans. À chaque phrase qu'il dit, là... À part ça, t'entends juste ça. C'est extrêmement raciste. Désolé! Mais c'est oui! C'est du racisme. Non, tu n'es pas blanc. Les Noirs les ne sont pas racistes. Si je suis tanné, man. C'est juste un bon. C'est français. Je sais que je vais... les gars, vous allez retourner chez vous, là. Chris, on a beaucoup de choses à googler. Bon, on commence. On commence par nous. Eux autres, ils pensaient qu'il y avait un podcast, ils ont des devoirs. Mais non, il y avait des notes. Fucking chien. Je suis désolé, vous voudrez, là, excusez-moi. Tous les vidges. OK, on commence par... Mais ben là, dans cette captation-là, il va falloir que tu mettes genre une liste de choses. OK, le podcast arc, les 45 premières secondes. Wesh, c'est la vallée de Dana. C'est vrai qu'il respire. Kids getting hurt. Pas. Très drôle. Pas de mensonge. Non, pas de mensonge. Pas de mensonge. On peut pas mentir. Toi, c'est quoi tes crush? Qui d'autre capable? Ben, Patrick Bourgeois. C'est tout. Patrick Bourgeois, that's it. Crush québécois, là, j'en ai pas eu le temps. Ah, oh, le gars d'Okoumé, un moment il est venu à notre école secondaire. Jonathan Pinchot! Oh mon Dieu! Ils sont venus. En fait, tout Ben est venu, mais c'est Jonathan qui m'a marqué. Jonathan Pinchot, là-dessus, hein? J'ai mal quelque part. C'est ça? Ouais. Oui. Ah! Danny Bédard, qui est cool. My bad. On va mettre Danny Bédard. Pas Danny, mais. Jonathan. Danny en plus. Ouais, Danny. Mais Jonathan Pinchot. Pousse en fait, de la fond. Gotcha. Merci. Ouais, mais ça, c'était après Okoumé. Bro, non, c'est moi, quoi Okoumé qui était bon, là. Jonathan. Cool. Là, c'est ma référence depuis tantôt. Mm. Quand j'ai manqué un gars, genre Joe. Joe, il est là. Merci. Cool. Joe, il est bras croisés puis il colle. Thomas, il est correct. C'est Jonathan. Pousse la fond. Ouais, comment encore, Lise? Hey, oublie le t-shirt. La fille, c'est mieux. C'est mieux dans. Voyons. J'ai fait le calcul là, au cégep, là. C'était un devoir, je l'ai eu. Mais oui, c'est ça, il était venu. Le Ben avait fait une performance sur l'heure du dîner. Puis après ça, il était assis à une table. Quelle école t'allais? Ben, une école secondaire à Laval. L'école secondaire Georges Vanier. Là. Pire école. Ben non, c'était super, là. Oh non, il y a pire. Je te rappelle pas ta Longueuil ici. C'est mon hood. C'était comment, toi? Ça, c'est mon... Yo, ici, là! Attends! Puis d'ailleurs, pourquoi vous êtes dans mon hood? Sérieux? Faut que je règle des affaires. On habite ici, maintenant. Ah, c'est vrai? Oui. Ah, oh, cool. Welcome to the hood! Non, mais non, il y a des écoles. Yo, je me rappelle. Yo, back in the days. Moi, je suis vraiment un gars de Longueuil. Est-ce que t'es venu à l'école ici? Non, pas ici. OK. Okay. Okay. Mais moi, j'allais à Lemoine d'Iberville quand c'était encore... c'était pas une école pour adultes. OK. Mais il y avait un gros beef dans le temps. Yo, il y a des écoles, là. Gérard Filion, à leur heure de dîner, okay, ils allaient à Jean Rousseau péter des gueules. Ah. Et vice-versa. Vrai ou vrai? Et vice-versa. Yo, Jacques Rousseau, Gérard Filion, c'était Saint-Hubert, Monseigneur Parent. Oh my God! Yo, ça, c'était des gros, yo, c'était des grosses écoles, là. Monseigneur, c'était, ça brassait, là, ben, mais t'sais. Vous vous déplaciez comment? À pied? Yo, j'ai déjà vu du monde faire... Quand t'as de la haine, tu y vas. J'ai déjà vu... quand je me rappelle en secondaire 5, j'ai dû... quitter mon école parce que elle a fermé. Fait que j'ai dû finir mon école en secondaire 5 à André-Laurando. Moi, j'ai gradué en 2000. Puis en 2000, les profs faisaient des grèves. Ils ont fait une grève. Puis les élèves, un moment donné, sont sortis dehors pour appuyer. Okay. Puis un moment donné, on est allé dans l'autre école secondaire pour appuyer. Puis à pied, là.
Ouais. Okay. Puis la police nous escortait parce qu'on faisait la largeur du boulevard. Hey, non, pour de vrai, dans ça là, Christ qu'on était motivé. On était c'est bien cool. Trop intense là. Ah oh oui, parce que Steph, c'est une anti-manif là, parce que ben c'est cool manifester puis se battre, hein. Oui, absolument. Bon, l'important c'est de suivre les règles. Oui, comme moi je suis convaincu que la plupart des antivax sont vaccinés, ils aiment juste se battre avec la police. Ah. Mais c'est vraiment mais... le fun. Non. Dire à la police, tu peux rien faire. Les sept, on est 15. C'est génial. Moi, c'est pour ça que j'avais en 2012, je faisais ça. Les gens, ils pensent. J'allais bien, là. Ah, oui, le prix. J'allais très mal. J'ai fait beaucoup de vin rouge. Non, Longueuil, c'était fucked up, man. Là, yo, King George, c'est fucked up, là. Wow, mais là, King George, c'est un gros secteur, là. Casey à la MNOP, il venait de là. Casey à la MNOP, son vidéoclip, il a été tourné sur King George. Puis, je pense qu'ils vont crever. Il venait de Robertval. Il était sur Robertval à Longueuil. Il y a eu temps. Des gros shit, là. La grosse chicane. Ouais. Je savais pas quoi. Le Beverly Hills, c'était Saint-Bruno. La vallée, Beverly Hills, là, le Hills, c'était Saint-Bruno, puis genre la vallée, genre, parce que t'étais comme un peu encore aussi, genre nice, Boucherville. Oh! Boucherville. Wow. Boucherville, puis Varennes. Là. Mais là, t'as commencé à sortir un peu loin, là, mais ouais, là, quand t'étais Longueuil, là, hey, pour de vrai, là, on va se le j'adore dire, ce là, le centre commercial le plus triste au monde. Pas place Longueuil, place des Ormeaux, là. Ah! Oh, mais plus triste que ça! Parce que si tu regardes l'émission La Faille, oui? Le mur de La Faille, oui? Il est tourné au complexe Cousineau. Wow. Ah. C'est le complexe Cousineau. Regarde La Faille, tu vas reconnaître le casse-croûte dans le milieu, je te jure. Ça a été tourné au complexe Cousineau. Sais-tu pourquoi ça a été tourné là? Parce qu'il y a tout est fermé là-dedans. Il y a juste... Ah. Christ... Le monde là, du complexe Cousineau, là, vous vous rappelez du beau Delhi? Hein? Ah, je viens de hijack votre fucking podcast. Tant mieux! C'est rendu un podcast Rive-Sud. Ben OK, je... tout le monde! Tout le monde! Boucherville, complexe 2020, hein? Hein? Le rock and roll, yeah! Est-ce que tu sortais au Palladium? Partout, Mathieu! Mais où, Palladium? OK, t'allais toi qui partout. M'as payé, ça m'intéresse. Hein? Non, mais ça, c'était le fun, là. À Saint-Hubert, des fois, on allait à Saint-Hubert parce qu'il y avait genre un bar miteux qui nous cartait pas, qui s'appelait L'Impact. OK. Quel nom de bar que c'est clair qu'il l'Impact, de la c'est ça, cool. Normal, OK? ou sinon, des fois, là, on allait au... notre version du Beach Club, c'était devant le Manoir Rouville. C'était quoi, donc? Le California? Le Calif? C'était ça, le California. J'espère que c'est ça, parce que c'est minable comme nom. À McMasterville, il y avait un autre bar aussi, là. Le Super 9, les gars, la gang. Super 9! Oui, ça c'est marrant, mais quand même, là, j'ai juste laissé faire Rouville, mais là, j'ai juste passé à... Le Master à McMasterville, there you go. McMasterville, le bar s'appelle comment? Le Master! Bro, on est malade! Le monde, là, yo, pensez, yo, le monde arrête tu pas de... Tu peux juste avoir du fun. Le monde arrête pas de dire de la merde de la Rive-Sud, puis je suis comme, yo, vos gueules, okay? D'accord. Vos gueules. Laval, Rive-Sud, Rive-Sud. Rive-Sud. À Laval, le monde chauffe mal, en plus. C'est à la base, le monde sont agressifs. Moi, je dirais que c'est au Québec en général. Je suis pas d'accord. On n'a pas la connotation là, de la ligne de gauche là. Moi, je l'ai les pas, Québécois, on protège notre voix de gauche comme si c'était notre pays puis notre langue. Si y avait un référendum, je roule la salle, tabarnak, tu passeras pas. Si je passe pas, tu passes pas. Tabarnak, te rendre à Québec, c'est lourd. Tasse-toi, monsieur. Moi, je roule à 70 sur la voie de gauche. Ah, c'est ridicule. Te rendre à Québec, des fois, là. Puis font exprès de te faire chier. Non, mais ben, slammer les breaks. Hein? c'est une vraie affaire. J'ai appris à conduire dernièrement. Ça, c'est ridicule, OK? J'ai vraiment pas. Tu vois, ça arrive suite, t'as pas le choix. Tout est loin. Oui. Voilà. Mais moi, je pensais que. Tabarnak. La voie de gauche puis la voie de droite, je pensais que c'était ton allégeance politique. Fait que j'étais tout le temps à gauche. Parce que j'étais comme moi, je suis plus à gauche. Fait que j'étais à gauche super lentement. Tom. Puis je me faisais klaxonner, puis j'étais à ça, c'est du monde de droite qui veulent m'intimider. Fait que moi, je suis de centre. Fait que J'ai juste changé de voix. Ah, c'est pour là, ça. On m'a expliqué que c'était pas ça. C'est pour ça que la police m'arrête. Voilà. Yo, le fuzzy de Brossard, oui ou non? Il y avait deux fuzzy? Ouais, la Vallée Brossard. Mm-hmm. C'était-tu la même affaire? Non, Brossard. C'est quoi la différence? Ben, Georges Saint-Pierre était un bouncer là-bas. Pardon? Ben oui, Georges Saint-Pierre, quand il faisait
moi puis Georges Saint-Pierre, on a été au collège Édouard Montpetit. On okay. a été, OK, on était là-bas, c'était notre, notre cégep. Puis il était dans la... C'est un peu avant qu'il était dans, dans TKO. Pendant ce temps-là, juste avant, ou pendant ce temps-là qu'il s'entraînait, il était bouncer au Fuzzy. Oh! Georges Saint-Pierre était bouncer au Fuzzy. Mais est-ce que vous aviez des cages avec les planchers qui montent puis qui descendent? On n'avait pas de besoin. Oh! Les cages pour le monde de Laval, on est civilisé ici. J'ai votre bac, la gang. Le pire, c'est que j'ai déménagé à Montréal, j'ai vraiment beaucoup aimé Montréal. J'ai vraiment aimé Montréal. J'ai déménagé là-bas pendant 10 ans, jusqu'à temps qu'on est venu pour s'acheter de quoi. Là, on vient juste de redéménager à Saint-Hubert. Puis, ben, c'est ça, il me manquait 1 500 000. J'habitais dans Rosemont. Puis, Rosemont, il y a un fucking fléau, OK? Ils te prennent des blocs appartements, ils te gâtent ça, puis ils font des condos avec, puis ils te vendent ça 1 500 000. Ouais. Pour 1 500 000, faut que tu changes ton char de place comme un hostie. Non, que c'est insultant. Ah oui, je comprends. Je comprends. Chris, que c'est insultant. Oui. Chris, lèche-moi le cul au pire, là. En fait, quoi, là? Sors-moi à souper, dis-moi que je suis belle, je sais pas. Ouais, non. 1 500 000. Puis, je suis un hostie pauvre, là, aussi, là. Mais Chris, pour 1 500 000. Mais ce qui est génial, c'est que moi, ce que je trouve fucked up de Montréal, c'est qu'en mettant des condos juste qui coûtent 1 500 000, tous les gens le fun vont quitter la ville. Puis, le but d'être à Montréal, c'est que c'est cool, mais c'est rien des jeunes professionnels sur l'adéral puis des vieux de 85 ans. Fait que ben, ça va être la pire ville. Ben, encore là, tu sais, je veux dire, là, hey, Chris, tu t'es promené downtown de Montréal? Mm-hmm. C'est triste, là. Mm-hmm. La tristesse, là. Le monde de la rive sud, de la rive nord, ils vont plus en ville. Ils ont 10-30. C'est pas le fun. Non, ils vont. Le 10-30, c'est très à la place pas, des Ormeaux. Non, personne va à la place des Ormeaux. Ben, nous, on est allé voter à la place des Ormeaux, tout ça. Ouais, tu vas voter. Ouais, on a mon sens. Tu veux pas la place que tu votes, là. Voyons. Tu supposes que tu manges. La place des Ormeaux, tu vas au Saint-Hubert. Ah, il y a un Saint-Hubert là-dedans? Do you even live here? place des Ormeaux, là. Il y a la parfumerie. Ça, il y a le Sport Expert. Il y a beaucoup de jogging qu'il faut pas porter en public. Qui vendent des jogging, faut pas te mettre ça en public. Non, on a comme vu un magasin. Oui. Non, ça c'est. Non, ok, ouais, place des Ormeaux, ouais, excuse-moi. Je dis place des Ormeaux, c'est place Longueuil que je voulais. Voilà, voilà. Tu nous as 10, mais on est un peu au courant. Un peu. Désolé. Non, non. Je suis cachon, c'est accepté. Désolé. Mais ceci dit, on était des Ormeaux, il y a un Walmart. Oui, on est allé voter, on a mangé pas pourquoi ça se passe. Non, mais c'est parce que la dame a te reconnu. Tu t'es fait reconnaître à la place des Ormeaux. Oui. Ce qui est pas une bonne affaire. C'est pas une bonne affaire, là. Le gars va s'en aller. Ah ouais? Il accepte qu'on soit antisémite, mais il accepte pas qu'on se fasse reconnaître. C'est pire. Je sais! On est arrivé avec ta petite carte électorale. Hey, tu t'es fait mon reconnaître à la place des Ormeaux. Oui. Par plusieurs personnes. Oui. Tu donnes des pips, tu vends de la drogue. Non, mais je veux savoir. Le pire, c'est que dans le temps, la bibliothèque... Famous fame, preach! La bibliothèque famous municipale, c'était dans la place des Ormeaux, là. Ah. Ben oui, dans le temps, là, c'était pas à l'autre bord de la rue, dans une belle grande bibliothèque. Là, c'était en arrière de la place des Ormeaux. God damn! Tu lis ton Lucky Luke pis tu vois une crack pipe, c'est fucked up. En tout cas, on a vécu des affaires, hein. Non, mais Chris, que c'est nice. Moi, j'aime ça. C'est génial. Vous le savez, hein, que cette petite rue-là, t'es acheté à Chereau, là. Il y a toujours des petits policiers, là. Calisse qui font chier. C'est une belle astuce que tu peux gonner ça. Juste avant que tu pognes le trafic, là, ça, sur le pont. En tout cas, nostalgie. Moi aussi, je fais ça. Je vois, c'est fun. C'est là où j'apprends à aller vite. Non, fais pas ça. J'ai appris. 70, tu sais. Moi, j'ai appris, là, mais ouais, je vais pas si vite que ça. Excusez-moi, je vais pas vite. Non, ouais, surtout si tu restes à la voie de gauche. Ouais. Parce que je suis d'avis que. Au bout de ça, il y a un pays. On va l'avoir! Wow! On va l'avoir! Timing, les Anglais, tabarnak! Timing incroyable. Les Patriotes sont pas morts pour rien, Ciboire. Je fais ça pour Dolorimi. Calisse. Ça arrive ça, t'as du bon, t'as du mauvais. T'as du nice, t'as du moins nice. T'as du ghetto, t'as du riche. T'as le Dorique, t'as le Vegas. Mm-hmm. Those hey, who don't know!
Le motel qui est placardé, là, pas loin du site, là, avec le Roméo et Juliette. Oui, c'est ça. J'ai aucune idée qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est ça. Quelqu'un qui a l'air d'être au courant. Qu'est-ce qui Et Joe, il sait pas. Joe, il sait pas. C'est ça. C'est lui qui l'a fait. Si Joe le sait pas, personne le sait. Là. Ou c'est lui qui l'a fait. Joe, il était là, man. Il a trouvé le beau, le bel. Il était vite, là, mais j'ai aucune idée. Moi, je me détache de ça, tu sais. Ouais, mais il est au courant. Joe, il a vraiment répondu comme un Français qui débat. Vous savez, il était de chez Jacques, c'est mon choix! Ah, sacrifice! Oh! Sacrifice de calice! Après, c'est ce que c'est nous qui parlent mal. Quasiment ça, il dit vraiment ça! Là, oui, là, ouais. Comme les Québécois qui disent que les Noirs, ils prononcent pas leur R, mais c'est comme windshield washer, il y a pas R J'ai envie de te garocher là-dedans. De quoi ça? La première fois que tu es allé en Haïti, qu'est-ce qui s'est passé? OK. Fait que. Oh boy. Tu sais, là, quand tu comptes une histoire là, en anglais, là, pis tu commences par OK, so what happened was. What happened was le soulèvement populaire haïtien. C'est ça. Ou genre, tu commences par « OK, so this bitch ». Tu sais, ça va être bon. Mais l'affaire que t'as envie, c'est que il y a comme « Oh man, il y a eu de la marque, il y a pogné ». Je fais 2 semaines là-bas pour faire des shows d'humour. Il y avait moi, Abba, mon partner, on fait des vidéos ensemble. Une autre humoriste qui s'appelle Gariana Jean-Louis, sa sœur. Puis on était, ouais, c'est ça, on était là-bas. On était pour eux autres, ils étaient porte-parole de ce merveilleux, joyeux festival. Fait qu'on s'en va là-bas. Puis là, on s'en va dans une place. OK. Juste avant... Quand qu'est-ce que t'as acheté en arrivant dans le pays? OK. Fait que... Aucun jugement, OK? Non, moi, quand je m'en vais dans le sud, j'achète des machettes, OK? Laisse-moi parler, OK? J'achète des machettes! Il y a une explication! Je vais dans le sud, j'achète des machettes. Ça, c'est le genre de phrase que moi, je peux pas dire. Ouais, moi, je vais dans le sud, j'achète des machettes. Moi, parce que si tu le dis, le monde te croit pas. Moi, si je dis, yo, j'achète des machettes. Moi, il croit. Moi, il croit. Tout le monde t'a cru. Right? Tout le monde a cru. Puis le monde, c'est bien du monde qui était le même. En fait, mais oh, comme en souvenir, moi, j'achète des petits lighters écrits Punta Cana. C'est ça, j'achète. Ouais, mais imagine, là, si je fais comme, hey, je pense à toi. Ching! C'est fucked up! C'est comme, gâte! T'as pensé à quoi? Tu penses aux douanes avec? Oui, t'as le droit, c'est légal. Je comprends que c'est légal. Ils doivent au moins. Ça doit être plus long pour toi que les autres, pas non, pas du tout. T'as une machette. Non, ils aiment mieux que je le dise, justement. Non, mais l'affaire, c'est que... C'est pas une surprise. C'est pas comme... Ah, non, mais ils vont l'inspecter. Ils vont l'inspecter. Quand tu regarderas ta fiche, tu peux ramener certaines armes. Une machette. Oui. Des armes. J'ai jamais pris le temps de regarder. Puis j'ai amené une machette. Est-ce que vous avez apporté des armes? Si tu coches oui, là, le douanier va faire comme... C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez apporté? Ah, j'ai une machette. Non, OK, c'est parfait. C'est tout à fait légal. Mais on va l'inspecter. Pas de problème. Tu passes la ligne à côté. C'est que pourquoi vous êtes ici? Ah, parce que j'ai rempli, puis j'ai dit que j'avais une arme. C'est une machette. OK, je dois l'inspecter. Vas-y, mon brave. Et l'ouvre, il check. Mais oui, c'est une machette. Comme je vous avais dit. Le gouvernement. Il check les autres affaires, puis tu pars avec ta machette. C'est juste que c'est symbolique, là, la machette. Là, c'est pas juste symbolique, tu peux me couper la tête. C'est pas un symbole. C'est pas. C'est un très beau symbole. C'est un très beau symbole. Écoute. Mais juste, c'est sûrement, la GRC lit tous tes courriels. Oui. Ma gérante, mon agence, enlarger penis. tout, c'est correct, là. C'est correct, ben oui. Pas grave. Alors, tu achètes, toi. Mais parce que c'est un signe d'indépendance, c'est un signe qui a... En fait, ça construit les Antilles, la machette. C'est pas juste une affaire que Rembo a sur le côté de sa hanche, ça... C'est un outil agricole. C'est la défense du pays. T'allais dire statut. Ça tue aussi. C'est un symbole de révolution. Puis tout. Puis je m'en rappelle. Je m'en achète à chaque fois que
n'importe quel pays que je fais dans les Antilles, je m'en ramène une. Puis là, ben, c'était pas différent. Fait que je me ramène une machette. Puis là, tout le monde était comme, ah, t'es bien weird, tu ramènes une machette. Comme vous autres, là. Tu sais, genre, c'est un peu bizarre. Ta face est bizarre. T'as pas rapport. Je vois pas, je sais pas, t'es qui. Excuse. Pour vrai, c'est bien expliqué. Mais j'ai une machette. Non, j'ai rien. Arrête. Pas une, genre. Mais non, je comprends. C'est bizarre. Mais tu sais, j'ai ma machette, elle est enroulée dans mes affaires. Puis là, bon, boum, soulèvement, la population comme se soulève parce que le gouvernement, dans le fond, a augmenté le prix du gaz. C'est l'équivalent de si le prix du gaz passait de 1,20 à 500 $ le litre. OK. On fait des émeutes quand les Canadiens gagnent. Ça se peut que le peuple se révolte, tu comprends? Puis là, il faut que tu comprennes que le gaz, c'est vraiment tout pour se compter. Pour eux autres, c'est tout. C'est tu te promènes, tu t'en vas travailler. Pour chaque nation, Oui. Le pétrole, c'est vraiment, tu sais, quand t'en produis pas en plus. Les bateaux, les voitures. On oublie les bateaux, les voitures, tout. Les États-Unis, on investit des pays au Moyen-Orient. Exactement, là, pour ça. Fait que là, ça s'élève, mais là, on est vraiment loin de l'aéroport. Puis on rate notre avion. Une journée, deux journées, plus de temps que je reste ici, en Haïti, plus que je perds du temps. Mais là, les organisateurs, eux autres, c'était comme du monde de la haute, là. Oh, puis tu sais, fait qu'eux autres, avaient vraiment la chienne de sortir, là, parce que le peuple, il était pissed off contre le monde de la haute, tu comprends? Fait que là, moi, je suis pas du monde de la haute, là, tu sais. Fait que moi, je dis au monde, on décalisse. OK? C'est moi qui décide, I'm your captain now. Look at me, I'm your captain now. Tu vois, l'influence de Abba, qui est éthiopien, est très vite arrivée, là, tu comprends? Fait que là, j'ai décidé, genre, OK, on décalisse, puis Abba aussi était tanné, fait qu'on s'est dit, on s'en va. Il y avait pas ça dans un pays où il y a un soulèvement populaire? Non, mais à un moment donné, ça suffit, là. C'est fun la première journée, là. Tu sais, c'est comme, comment je dirais, c'est comme un confinement. Les deux premières semaines, c'est le fun, après ça. C'est ça. On en a notre casse, là. Tu sais, l'affaire la plus difficile dans un deux semaines de confinement, c'est les 18 premiers mois. Donc... Là, comme un confinement, on est tanné d'être en an parce que l'électricité part puis revient. On est en Haïti en juillet. Ah oui. Il n'y a pas d'électricité. C'est chaud. Ouais. Fait que là, on décide de décoller parce que ça suffit un moment donné. Puis oui, parce que Haïti, c'est déjà rough. Haïti, pas d'électricité. Pas d'air climatisé. Oui. Tabarnak! Ça va, là. Mm-hmm. Fait que là, on part. T'sais, ça va, tu sais. Moi, je parle bien la langue. Ça va, tu sais, c'est chill. Fait qu'on part, il y a des barricades dans la rue, là. Tu sais, il y a du monde. Fait que il faut qu'on passe ces barricades. Il y a une couple de chars qui nous suivent, dont les soeurs Jean-Louis qui sont là aussi, que c'est des natifs natals. Mais moi, puis Abon, dans le premier char en avant, puis on converse avec le monde. OK, laisse-nous passer. Non, veux-tu de l'argent? Veux-tu des cigarettes? Fait qu'on marchande avec les gens pour qu'ils laissent passer, tu sais. Puis des fois, à un moment donné, il a fallu que je sorte du char pour défaire une barricade, passer à toi. En tout cas, c'est vraiment fucked up, là. C'est un film. Ça m'intéresse, ça. Ben, il a fallu, il y avait une barricade, il y avait personne dans cette barricade-là, mais il y avait un tronc d'arbre dans le milieu, aussi. Non, bon. Quelqu'un a une machette? Non? Moi, j'en ai une. Tu comprends? On rit moins le petit gars qui a la machette. C'est ça. Tu ris de lui, mais tu veux. Exact, avec là, c'est défait les affaires, défait les branches, fait passer les arbres. À un moment, on a passé, c'est vraiment bloqué. On a passé, genre, dans la brousse. Deep, whatever, on vient, ça route, on continue. À un moment donné, on arrive à une barricade, ils veulent vraiment pas nous laisser passer. Et ils commencent à être agressifs. Puis là, il y a notre chauffeur qui est là, que lui, de tout le voyage, toutes les deux semaines, je l'ai vu dire trois mots. Oui, non et grogner une fois. Oh. Donc, tu sais, c'est un no-nonsense. Un gars qui parle, no bullshit, mais qui parle pas, tu sais. Puis lui, qui est habituellement, généralement calme, il sort de l'auto, ferme la porte. Là, il y a moi, puis Abba, dans la pluie, il est en arrière, moi, je suis en avant, puis je suis comme, oh, shit. Abba, il est comme, yo, si ça pète, tu t'en vas sous le côté conducteur et on trace. Mm. Fait que là, moi, j'avais mon pied déjà, tu sais, comme quasiment embarqué de l'autre bord, là, pour prendre sa place s'il se faisait... Parce que là, il dit au gars, hey, laisse-nous passer. Le gars, il fait comme, non, on te laissera pas passer, mais ça n'a pas rapport avec toi. Puis là, il a comme pété une coche, il sort de son char.
fait comme, yo, là, tu me laisses passer. Il se fait entourer par 6-7 personnes qui ont des machettes eux autres aussi, des pics, des fourches, des couteaux. Puis là, je suis comme, oh, shit. Puis il dit, c'est quoi tu fais, là? Vous avez des... Le gars, là, notre chauffeur, là, qui dit pas un mot. Et là, il dit, en créole, qu'est-ce que vous pensez que vous faites, là, avec vos instruments de paysans? Là, moi, je suis comme... Wow. Excuse, bébé, qu'est-ce que tu fais, bébé? T'sais, comme... T'sais, une fille qui a un chum violent, là, pis comme, ah, oh, shit, ça va péter. Bébé, attends, arrête, c'est pas grave, là. Genre, c'est pas grave. J'ai pas le temps de faire des jokes sur les luttes de classe. C'est pas grave, là. Il fait comme, qu'est-ce que vous faites? Moi, il dit, là, il commence à leur parler, pis il regarde dans les yeux, pis là, les gars s'en viennent plus proches. Moi, dans mon hood, quand on fait une révolution, on a des guns. Oh là. Fait que là, éventuellement, je retourne chez nous. Si vous ne me laissez pas passer, je m'en vais chez nous. Puis je reviens ici, puis je vous gunne toute la gang. Moi, je fais comme. Mais j'ai des cigarettes, si vous voulez. Il n'avait plus rapport, ce gars. J'ai mon petit lighter de Punta Cana. C'est ça, là. Quelqu'un m'a allumé. Shit, hit de fan, là. J'ai comme quoi, puis les gars, ils ont regardé, puis ils ont reculé, puis ils ont ouvert la barricade. Le gars, il rentre dans la porte. Boum! Big Dick Energy. Fait que là, moi, je suis comme... Oh my God, are you a gangster? You're totally a gangster. Do you have a gun? Can I see it? Quand j'ai rendu malade, j'ai comme, t'es qui? Toi? Bref, on continue à aller. Il y a une autre barricade, le monde n'est pas content. Ils sont encore là, plus agressifs que la précédente. Ils nous pitchent des bouteilles devant notre char pour pas qu'on passe, tu sais. Dude, appelons Delgado. Parce que c'est son nom. Il sort du char. Il sort. Puis à chaque barricade, c'est comme si, à chaque barricade, il y a un chef de la barricade, tu comprends? Oui. Puis lui, il a compris tout de suite c'était qui. Il sort du char, il te l'enligne. Il dit, toi, on se parle. Il s'en va sur le bord de la route, plus loin, avec 2-3 de ses acolytes. Puis là, Abba est comme genre, yo, parce que Abba a quand même vécu un peu la guerre en Éthiopie, là, des affaires fucked up qu'il a vécu. Puis il est comme, yo. C'est à peu près le même feeling que j'avais là-bas, man. C'est fucked up. C'est fucked up. Je suis comme, ouais, man, c'est vraiment fucked up. Tu sais, je regarde en arrière parce que t'es en arrière, tu sais. C'est vraiment fucked up. C'est vraiment fucked up. Cool. On parle de ça, puis comment c'est fucked up. Pendant ce temps-là, il y a un gars, sa job à lui dans les barricades, c'est de regarder dans chaque auto qui est-ce qu'il y a dans les autos et qu'est-ce qu'il y a dans les autos. Oh! Fait, regarde. Moi, à la fin de la journée, on va se dire, guys, j'ai de l'air de ce que j'ai de l'air. Mm-hmm. En plus, j'ai des tattoos, OK? Puis j'ai des. Tu sais, j'ai des pantalon à manche courte. Pantalon manche courte. Pantalon court. Des pantalons à manche courte, tu sais. Comme tantôt, des shorts, merci. Mais c'est plus simple, là, des shorts. C'est l'histoire tantôt, là, sur le divan, dans le lit. C'est moi qui l'ai dit. Oui, c'est ça. Puis tu sais, j'ai des tatous, là, j'en ai même, tu sais, j'en ai, là, tu sais, c'est comme la même affaire que j'ai sur le bras, là. Tu sais, je l'ai sa jambe, là. Vous voyez, là, genre, je l'ai ici. J'ai pas mis de crème, ça me regarde pas. OK? Fait mais là, je suis pantalon. Pantalon court, des shorts, j'allais dire manche-côte encore. Pantacourt. Pantacourt. C'est pas commun en Haïti, des tatous. En Haïti, si t'as des tatous, t'es américain ou un gangster. Puis dans moi, les deux cas, américain. Ils aiment pas ça. Moi, dans les deux cas, ils aiment pas ça. Mais ils en respectent un plus que l'autre. Pantacourt. Moi, je suis pas américain. Donc, il en reste. Mais je suis tristement pas un gangster non plus, là, genre. OK, j'habite à Longueuil. Dans le parcours du cerf, comme dans ce programme. Wouhou, parcours du cerf. Le golf, yes. Ouais, fancy. J'habitais à côté de ça. Mais oh non, c'est pas de là que je viens, mais c'est pour qu'eux autres aient le référent. Mais pour dire que je suis pas un gangster, à la fin de la journée, eux autres, ils le savent pas, puis ils arrivent, puis ils font comme, salut, ça va? Je suis comme, yeah, man, en forme. Moi, je dis ça, fait boss, en forme. Il fait comme, yeah, en forme, ça va. Puis il voit que j'ai pas d'accent, tu sais, parce que j'ai pas parlé assez longtemps pour avoir un accent. Il fait le boss en forme. Ouais, cool. Il part et il part à courir vers son boss. Oups. En criant, puis je suis comme, ça qu'a fait le boss en forme. Non, mon créole est bon, là. Mon créole est bon. Puis là, genre, il part là-bas, tu sais. Puis là, on parle, puis là, là-bas, il fait comme, yo, is this nigga doing some push-ups? Il regarde notre chauffeur Delgado. Il n'y a plus de chandail. Il regarde le boss de la barricade, fait des push-ups en y parlant. Moi, je suis comme...
Il fait des push-ups, bro. Le dude, il court vers le boss. Tout le monde crie. Je sais pas qu'est-ce qu'ils disent. Ils sont trop loin. Delgado, il parle, leur dit des affaires. Il nous pointe. Puis à un moment donné, Delgado, il se retourne vers nous. Il marche vers nous. Puis il se met à rire. Il se met à rire en marchant vers nous autres. Puis je suis comme genre... OK. Il embarque dans le char. Juste voir de quoi. Bon, c'est fait. C'est fatigant. Ah, c'est dur, la vie. Il embarque dans le char, il ferme la porte, puis il rit. Il rit. Puis je suis comme... Fait que tu vas-tu nous dire qu'est-ce qui se passe? L'as-tu remis son T-shirt? Non, il l'avait, tu sais, il l'a mis dans le char, là. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis non, mais le gars qui est parti à courir, c'est parce que il a vu ta machette, il pensait que c'était une 12. Ah. Fait que là, lui, il est parti à courir, il fait comme, yo, le dread dans le char, il y a une 12, il y a un gun, il y a un gun. Moi, j'étais comme, il n'y a pas de gun. Il y a un gun, je te jure, je l'ai vu, il y a un gun. Je suis comme, non, il n'y a pas de gun. Non, je te jure, il y a un gun. Puis le chef était juste comme, lui, il me dit qu'il n'y a pas de gun, lui, il me dit qu'il y a un gun, mon gars. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, Delgado fait comme, dude, il n'y a pas de gun. Vous avez peur d'un gun qui n'existe pas. Mais tu sais quoi? Si vous ouvrez pas la barricade, c'est lui que je vais envoyer avec son gun. Puis il est parti en rien. Il a joué au poker avec moi, je suis une frime! Je suis une fucking frime! Ils ont ouvert la barricade! On est parti, c'est comme ça qu'on est parti. J'étais une frime. C'est ça. Wow. Ça, c'était l'histoire. C'est extraordinaire. Ouais, vive la machette! Ouais, vive la machette! Fait que c'est ça, une machette, mon chat. Et ça va mieux en Haïti. Non. C'est ça, ça va. Sans commentaire. Wow. Est-ce que le gars qui fait les push-ups, il est devenu président? Non, OK. J'ai aucune idée, man. J'ai essayé de parler vite sur WhatsApp. J'étais comme, hey, quand je suis retourné au Canada. Puis j'étais comme, hey, bro, ça va, je suis vraiment content, mais je suis rentré au Canada, j'espère que tu vas bien. Il m'a répondu, yeah. Je pensais qu'elle allait répondre avec une toune des Misérables. Non, mais vraiment. Do you hear the people sing? Il a juste répondu comme il a toujours répondu, tu sais. Yeah. Puis, yeah, ça va. Puis c'est tout. Puis j'ai pu reparler depuis, mais ce gars-là, pff, dans ma tête, magique. Wow. Tu sais, je sais ce que j'avais à faire aussi là-bas, mais tu sais, c'était sans froid. Mais c'est ça. C'est extraordinaire. Faux. Big dick energy. Big gigantesque dick energy. Dick energy. Yeah. Meilleur balls gars. The size of South America. Calice. Comme le père de Stan, c'est ça, dans South Park, ouais. Là, qui a une barouette. Ah, oh, South Park. Ouais, fait que c'est ça. Preach, avec ABBA, tu fais des vidéos sur YouTube, très populaire. Félicitations pour ça. Merci. Vous avez eu la plaque. Les deux plaques, ouais. Les deux plaques. Tu nous clenches. Les deux premières. C'est énorme, ton succès, c'est hot. Ben, je vous clenche. C'est que... C'est juste que, tu sais, c'est différent. Parce qu'on fait ça à l'échelle mondiale. Puis à l'échelle mondiale... Non, c'est vraiment bon ce que vous faites. C'est correct. Non, c'est vraiment bon ce que vous faites. Merci. Mais, tu sais, vous faites un hostie de bon travail aussi. Là. C'est vraiment magique, là, la montée de ce podcast-là. J'ai un autre podcast qui s'appelle Les Fallops. Oui. C'est un podcast sur le sexe. Puis, cool. Yeah, les fans, on a applaudi les deux. Ah, mais merci, yeah. Merci. Merci. Puis vous êtes un peu notre modèle de façon comment, tu sais, on regarde ce que vous faites en français, puis c'est fort aussi ce que vous faites. Là. Ben merci. C'est nice, c'est un plaisir. Couple ouvert, c'est comme un mashup de Les Fallops puis Abonne Preach. c'est un peu ça. Puis on fait de la réaction à des C'est vraiment ça. C'est bon, c'est parfait. C'est ça. Mais ouais, ça va super bien. Puis explique-nous un peu, est-ce que, tu sais, dans le fond, ABBA, lui, il va chercher du matériel sur Internet, mm-hmm. Il te le présente, puis toi, mm-hmm. Tu réagis à ce qu'il te présente. On réagit à du matériel qu'on a vu, on essaie d'avoir des discussions sur différents trucs qu'on a. Est-ce qu'il te brief avant ou c'est vraiment non. Tout le temps? Si tu vois une réaction que j'ai eue, c'est parce que j'ai pas vu le vidéo. Les réactions sont meilleures. Ouais, exact. Les réactions ont toujours été meilleures quand je sais pas. Quand il veut. Quand c'est un sujet plus touché, il faut qu'on fasse une certaine recherche. Ouais. Mais il va pas me montrer le vidéo de. Okay. T'sais, en question avec ce qui est parlé dans la vidéo. T'sais. Puis le but de ça, c'est vraiment juste d'ouvrir une discussion. C'est pas. On ne prétend pas avoir la réalité puis la vérité. Raison. Puis d'avoir raison. C'est ouais. Pas ça. C'est qu'on veut justement en discuter. Parce qu'il y a eu des vidéos qu'on a eu tort. Puis on veut en discuter. Puis le fait qu'on est capable d'avoir des discussions avec nos fans, qu'on est capable de
Ah, tu vois, j'avais pas vu ce point-là. Mm-hmm. Ça, c'est ça essentiellement. Parce que moi, ça arrive sur mon vidéo, puis tu commandes « Pas d'accord! » Ben, OK, je sais que t'es pas d'accord, mais... Merci de t'être tellement décrit YouTube. C'est ça. Pas d'accord! C'est pas d'accord! Là, monsieur, t'as une photo d'un phénix en feu. Tout est weird. C'est ça, là. Exactement. Moi, je suis pas d'accord avec quitter, tu sais. Sur YouTube, t'as une photo d'un phénix en feu. Sur Facebook, t'as une photo d'un chat. Tu t'appelles Gisèle. Ouais. C'est fucked up! Ouais, moi, je me les pick-up, même pas, moi. Non. Si t'as un beau pick-up, t'apprécies pas ma personne. Exactement. Mm. Fait que c'est ça, tu sais, c'est comme, non, tu sais. On a meilleur. Je sais que c'est t'as pas. C'est le meilleur sur Facebook, c'est sûr que ça m'arrive des fois. Quoi, leur photo sur leur enfant de 6 ans. Ouais. Ils me disent, va te pondre! Puis une petite fille. Ouais. Ouais. Ouais, mais vous recevez aussi. Hey, c'est sûrement en fait. Des commentaires. Ah ouais, on soit. Ouais, il y a un moment donné, j'ai dû prendre un break des commentaires parce que, tu sais. Je pense pas qu'on va changer Internet, mais bon, ça, c'est mon. Moi, j'essaye, puis je peux pas prendre un break. Il y a un moment donné, là, on a fait un vidéo sur Trump. On a fait un vidéo sur Trump. Puis, dans la première semaine, en première semaine, il y a eu comme 98 000 views. Ça, c'est comme il y a comme 4 ans. Puis, c'était comme, hey, cool. Puis là, à bas, il a tagué Trump, right? Sur la vidéo. Meurgob. Puis là, deux semaines après, Trump, fidèle à lui-même, il dit une autre connerie. Fait que tout le monde voulait savoir qu'est-ce qu'il avait dit. Fait qu'ils ont cherché Trump. Puis quelle vidéo qui apparaissait. Fait qu'il est passé de 98 000 à genre 600 000 en comme 3 jours. 90% de ces personnes-là étaient des fans de Trump. Je me suis fait laver. Oui, parce Trump. Que moi, ce que j'ai entendu dire sur Trump, il apprécie pas deux noirs qui s'expriment. Deux noirs qui critiquent Trump. Qui émettent leur opinion. C'est pas ça, Gabriel. Deux noirs qui s'expriment librement. C'est pas. Oh, c'était beau, là. Tu préfères. C'était beau. Les commentaires, les boîtes vocales, les voicemails. Les menaces de mort. Je me suis traité tous les noms. Ma soeur y a passé, ma mère y a passé. Comme vous les connaissez même pas, ces joyeuses dames, comme calm down. Ils ont tout. Oh ouais, c'est ça, tu sais. C'est ah ouais, ils ont. Oh ouais, c'est ça. C'est rough. Puis c'est comme. C'est ça, c'est. Ouais, c'est rough. Les gens, tout le monde est fort en arrière de leur écran, là. Ben oui. Fort, là. Ils vont dire un paquet d'affaires. Dernièrement, il y a un dude. On a critiqué la vidéo d'un dude, OK? Puis un podcast que Abba avait été, puis que moi j'étais là en Zoom, il a critiqué ce gars-là, parce qu'il avait vraiment des takes vraiment weird puis whack, là. Fait qu'on a juste critiqué les takes. Puis là, ce gars-là est revenu, puis il a insulté ma blonde, il m'a insulté moi, puis il a insulté mon pays. La différence avec ce dude-là, c'est que je sais où est-ce qu'il travaille. Fait que moi, puis il m'a challengé un match de boxe. Le problème avec YouTube, c'est qu'on est filmé jusqu'à là, okay? On filme jusqu'ici. Parce que j'ai pas de coups, j'ai des grosses. C'est la vérité. Non, mais tu sais, un gars connaît son casting. Les okay? choses sont ce qu'elles garde, sont. Regarde, c'est ça, hey, là. Si tu veux du coup, j'en ai. C'est hein? ça, là. Toi, t'as du coup. Toi, t'as du coup. Moi, pas tant. OK, on va se rendre à l'île. J'ai parce que j'ai pas de coup, parce que j'ai quand même des bons pecs, là, tout le monde pense que je suis gros. Ah. Fait qu'il s'est donné pour m'insulter. Il m'a challengé un match de boxe. Jusqu'à temps que j'y ai dit, hey, la semaine prochaine, je vais être aux États-Unis. On fait ça, mon chum. Puis là, ils ont... Tu fais des arts martiaux aussi. Ouais, je fais des arts martiaux. Puis c'est là que tous nos fans, c'était sur leur page, comme, hey, le gars, c'est un bouncer. Le gars, il fait des arts martiaux. Le gars, tu sais, il va te casser la gueule. Puis l'affaire, c'est que, tu sais, juste, moi, je voulais faire ça légalement, là. On s'en va dans un gym. Je veux pas, comme, te pogner dans la rue parce que ça, c'est illégal, tu sais. Je veux pas, tu sais, tu peux pas te battre avec un gars qui veut pas se battre parce que là, c'est pas se battre, c'est battre quelqu'un. Ouais. C'est subtil, subtil. C'est subtil, subtil. C'est un sweet spot. C'est subtil! Mais tu dors pas à la même place. Tout, il y en a un qui dort chez vous, l'autre, c'est quelqu'un qui dort sur toi. Je voulais faire ça dans un gym, hein, tu sais, qu'on connaissait du monde qui... Puis c'est ça, mais c'est un peu aller trop loin. Puis je sais, là, c'est un peu là, de l'ego un peu mal placé, puis j'aurais dû déjà gérer ça d'une autre façon. C'est avec tout ce qui s'est passé, est-ce que j'aurais géré ça d'une autre façon? Non. Mais...
Mais les jeunes, restez à l'école. J'ai raison. Faites des push-ups. Fais comme le... Tout ça pour dire que les commentaires peuvent aller très loin. Puis la raison pourquoi ça m'a fait réagir tant que ça, c'est que ça m'a fait penser au bully que j'avais quand j'étais jeune, que je pouvais rien faire. Puis là, c'était comme, là, j'étais comme, hey bitch, today I got time. Mm. Today I got time. Tu comprends? Fait que c'est juste, c'est ça qui est arrivé, ça comme tout rejoint ça. Malgré que ma blonde s'est fait insulter, ma blonde m'a fait comme, vas-y pas. J'ai pitié pour eux, tu vois, ça va pas bien se passer. Fait que j'étais comme, j'y vais pareil. j'ai pas été. J'étais aux États-Unis, mais j'ai pas été là parce qu'il s'est passé autre chose, puis whatever. Puis finalement, je fais comme, you know what, ah, c'est correct là, on s'en fout. Oui. Mais tu sais, les commentaires, tu sais, ça peut vraiment... Les gens oublient qu'on est des humains. Ben ça, ou moi, ce qui me fait rire aussi, c'est que ça me fait rire les gens qui sont aussi toujours en réaction. Ouais. Tu sais, comme... Nous, on crée des choses, puis on les envoie dans l'univers web. Mais, tu sais, au moins, je veux dire, comme, c'est pas parfait ce qu'on fait, mais on crée quelque chose. Moi, j'ai ce qui me fait rire, c'est les gens qui sont juste tout le temps en réaction. C'est comme, toi, crée quelque chose de nouveau, là, ouais. Monsieur, au lieu de juste tout le temps réagir, faire comme, j'aime pas ça. Mais oui, c'est une nouvelle affaire. T'es gros, pis c'est une nouvelle affaire que je réponds au monde qui m'insulte. Je fais, paye tes dettes. Paye tes dettes. Parce que c'est sûr qu'il y a des dettes. C'est sûr. C'est sûr. Sur YouTube, t'es comme, moi, Thomas, je commentais pas ça. Paye tes dettes. Juste, pas ma faute si le fisc t'appelle. Il y a une vidéo qu'on a faite, qu'on a critiqué Doja Cat. OK. Doja Cat a répliqué. Oui, puis on était comme, ben, je suis pas d'accord avec votre take, les gars. C'est pas tout à fait ça qui est arrivé. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis on a fait comme, oh shit, Doja Cat a répliqué. Puis on a dit qu'on a tort. On est désolé. Mm-hmm. Tu sais, si tu me dis que j'ai tort, là, t'arrives là comme. Non! OK, ouais, non, tu sais. Comme l'autre doute là, qui refuse ou qui n'accepte pas. Je refuse ton état. Je refuse ton état. Je refuse ton état. Tu fais juste refuser mon état puis tu me l'expliques pas. Je peux rien faire avec ça. Mais si on veut vraiment avoir une conversation. Des fois, c'est rough, j'avoue. Mais on veut vraiment juste que les gens aient une conversation. Là. Mm-hmm. On parle de tout. C'est ça. C'est ça que c'est. Yeah. Est-ce que tu veux réagir à des dates de nos auditeurs? Fuck yeah. Oh. Je suis arrivé. Yo, je suis arrivé quand vous avez commencé à les lire. Non, tabarnak. Je te l'ai dit en coulisses, mais je répète, ça fait 3 heures que je veux te lire un segment. J'ai tombé là-dessus, j'ai écrit ton nom en majuscule, mais... Je trouve ça, là... OK, vas-y, je suis tout de suite. Avant, faut que je fasse ma petite plug. Vas-y. Salut, le segment... J'aime le monde qui aime ce segment-là de moi qui m'en fâche. C'est le... Jonathan Merga. C'est le segment des dates commandité par Eros et compagnie. Un sex shop. Au lieu d'aller une date avec du monde fucked up, reste chez vous, masturbe-toi. Eros et compagnie... Tu peux avoir ce que tu veux, des affaires dans le cul, des affaires sur le pénis, des affaires dans le chat, des affaires qui t'étranglent. Ce que tu veux, c'est tes affaires. Ça me regarde pas, mais tu peux m'en parler. Si tu prends le code promo couple 15, t'as 15% de rabais. Si tu comprends pas que couple 15, t'as 15% de rabais, t'as pas d'affaires dans un sex shop. Retourne à l'école. Là-dessus, on va lire des dates, c'est des gens qui nous écrivent anonymement, on va rire d'eux. Si tu fais bien là et ris du monde, c'est accepté. Voilà. Est-ce que tu as amené la boîte avec les petits objets dedans? Ouais. OK, j'aimerais ça en sortir 2. Vous avez une boîte avec des petits objets? Ah oui. On a des gros objets aussi. Mais aujourd'hui, on a des petits objets. Mais c'est juste parce qu'on a parlé de... juste au corps. Ouais, bas de corps. Quand on bas de puis, corps. Non, mais c'est parce que... Nous, on a une boîte d'objets sexuels. Ça va pas bien, notre vie. Ça va très bien, votre vie. Qu'est-ce que tu racontes? T'as un podcast à télescope ouvert, vous avez des... Mais c'est que là, j'ai c'est mes items préférés. Ils nous ont donné une petite boîte de plein de petits genre goodies, mais c'est parce que je veux montrer mes 3 items préférés. Let's go, mon amour. C'est un buttless panty. Mm-hmm. Une bobette à cul. Un crotchless panty. Une bobette à fourche. Puis un double window panty. Un... C'est de loin mes items. Un bobette à pas de bobette. Bref. Let's go! Puis, ça, en fait. 15% de rabais. Ça sert à quoi? Fourrer, s'enlever. Non, ça sert quand t'es menstrué, ça passe tout droit. Ah. C'est éco-responsable. Tu comprends? Je sais pas, ouais. Éco-responsable. C'est-tu vraiment ça? Jonathan, il est pas d'accord. Vous êtes pas d'accord? Puis, Jonathan, il connaît bien plus les menstruations que toi.
Je me prenais pas mal. J'ai comme, ouais, c'est du mal. J'allais pas me mettre du plein. C'est extraordinaire. Est-ce que vous avez envie d'avoir des crotchless panties? Tu les lancer? Ouais, je vais les lancer. Voulez-vous que je les lance? C'est un très bon lancer. Hey, y'a un gars le pogné! Je vais lancer de la droite pour lancer le plus loin. Yo, le gars le pogné en prenant la... Yo, attends. Yo, fuck that shit, OK? Vous avez manqué ça. Le gars a fait l'attraper le plus mal au monde. Ouais. Il a fait... Yo, je comprends pas. Non, vous avez manqué ça. Le gars, pendant qu'il avait les deux bras, les deux pieds croisés en dessous de sa table, il tenait la main de sa blonde pour l'attraper. Tabarnak! Hey, lui, là, la planète, ça le touche. Ça va, dude? C'est Captain Planet. Ça va, dude? Meilleur gars. T'es bien chaud, gars. Toi. Calisse, il est pas dans... C'est un cousin du gars qui fait des pochettes. Yo, c'est à moi ici. C'est clair. C'est clair. What the fuck? Le chandail du podcast. Yo! L'attrapé. La blonde. Yo, ça va se manger le cul ici, la soirée. Là. Eux autres, là. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ça fait un an et demi? Tonight is the night that we gonna get it right. Cause the night is the night we're gonna party. Yeah. C'est pas fou. T'imagines, genre, lui, il garde son chandail de couple vert, elle apporte les crotchless. Yeah! Wow! Ils ont toute la merch. C'est le shit le plus mal que j'ai vu aujourd'hui. Pow! Alors, c'est le plus fou, Charles, depuis ce temps-là, les seins de la fille ont durci. Yo, c'est sûr. Genre, tu vois, c'est mamelon dans son chandail. Mais j'ai pas regardé et je ne regardais pas parce que ce gars-là m'intimide. Non. Je regarderai pas là, man. Pas de combat de boxe avec ce gars-là, man. Nope! Oh! Combat de boxe! Nope! Choisis tes batailles! Bon, les Sun Tzu, il l'a dit, tu fais juste des batailles que tu peux gagner. Mm-hmm. C'est l'ordre de la guerre. C'est ce que je lis pour élever ma fille. L'ordre de la guerre. Bon. Alors, c'est que la mère à la garderie, mais elle va coller. Vas-y. Cette date s'intitule Les exercices. Non, c'est vous qui l'a appelé de même. Ah, d'accord. Non, c'est, le vrai nom, c'est Les exercices. Breach! OK. Il y a de cela une dizaine d'années, j'ai rencontré un gars sur Badoo. Ça part bien. Come on! Première date, on est allé prendre un verre aux Trois Brasseurs. Tout va bien, il est cute. Il semble avoir une tête sur les épaules, mais pas de cou. Yo! Dans le monde de l'humour, ton sens de la répartie est trop sous-estimé, ma chum. En plus! Calisse, c'est drôle. OK, vas-y. On a de belles conversations. Bref, je suis sous le charme et prends la chance de l'inviter chez moi la fin de semaine suivante pour un souper et un film. Il accepte. J'ai déjà invité un gars chez nous pour un film. On écoutait Batman Forever. Quand même un bon choix, non? Pas d'accord. T'es sérieux? Un bon film. Vous aimez pas ça? Vous êtes pas d'accord? Non. Attends, Batman Forever, c'est lequel? C'est celui avec le Robin, là, son temps plein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est lui. Le oui, pire, là, c'est ouais, ça, right? Ouais. Mais c'est ça qui est le fun, non? Non. Arc. Batman and Robin. Ah, Batman and Robin, oui, c'est ça. T'es en train de te faire. C'est ça! Ce gars-là, je l'ai. Il a travaillé sur le film. Mon nom Serge! Et ça! Non, c'est l'autre avant, là! Pensez les calipers! Crinkley, là! Ouais, lui! Il y avait cette voix-là, j'avais l'impression. Lui, il vient de Longueuil. Oui, oui! Il y a un garage. Il y a un garage. C'est sûr qu'il y a un garage. Un bon film pour une date à la maison, d'abord, c'est quoi, là? Mettons. Les Jambes d'automne? La liste de Schindler. Ouais, personne n'est d'accord avec mes choix. OK. Je peux-tu avouer. Ah, je peux-tu le dire, ça? Je vais pas nommer les personnes. Essaye de rester dans le thème. OK, je peux-tu. Je vais avouer de quoi que je suis pas censé avouer, puis si je suis dans le trouble. J'adore que je t'ai fait mal en mettant mes coudes sur tes cheveux. Mais faut que j'arrête de me coucher sur la table. Ben aussi. Non, c'est excitant. Tu prends tout le temps des. Je fais des petits power naps. Je connais quelqu'un. Oui. Il est en date avec une fille. Oui. Fait qu'on décide d'écouter La vie d'Adèle. OK. La vie d'Adèle, c'est extrêmement érotique. Il y a beaucoup de femmes qui font l'amour ensemble, puis c'est très pornographique. Mm. Ben pendant la date, elle a réalisé qu'elle était être gay. Wow! Puis au lieu de payer ça, ils vont parler de. Elle ça. A eu son. Oui, en fait. Ah, c'est ça que j'ai besoin. Je comprends. C'est extraordinaire. Ben, c'est pas une mauvaise chose, au moins de nous parler. Ben oui, c'est ça. Ben oui, oui. C'est OK, super. All right. Bon. On prend ça? Trois. Moi, j'aime. Ouais.
C'est bon pour le sens de l'humour. De quelqu'un a dit t'es gay! Oui, Thomas. Ça arrive à tous les homosexuels. Ben non! Thomas, s'il te plaît. Bon. Veux-tu bien revenir? Un souper et un film, il accepte, je suis ravie. Il arrive pile à l'heure chez moi et en rentrant sans même dire bonjour, il me dit on ne pourra pas avoir de sexe ce soir. Cette boîte. Je lui dis OK et demande pourquoi. Il me répond qu'il est très fatigué parce qu'il fait des exercices pour faire allonger son pénis. Et ça lui demande beaucoup d'énergie. Un gars est brûlé! Un gars est capable! Un gars, il va dormir pendant le film! Hey, moi, je m'en vais en pénitence, ça dérange pas. Je peux pas. Je comprends. Hein, des vies. Gars, me le dire, faut être blanc pour comprendre. C'est faux. Faux! T'as l'affaire, le blanc! Mais c'est quoi les exercices? Ben, moi, sais-tu quoi, on va le faire? Des exercices? Des exercices! OK. Comme je suis de nature plutôt curieuse, je lui demande en quoi consistent les exercices exactement. Merci, ma chum! T'aimes tellement, là! C'est ce qu'on voulait savoir! Alors, il me répond qu'il lève les bras au-dessus de sa tête, il prend l'énergie de l'univers. D'un coup, ça marche! D'un coup, ça marche! La d'un porte coup, ça marche! Vers... Hey, attends, mort, tous ceux qui riaient, là, on a tout essayé de s'auto-sucer. Fait que là, il n'y en a pas un qui va juger un autre. Ah ouais, on fait semblant qu'on a jamais fait ça. En l'énergie de l'univers et s'auto-soucer, je pense qu'il y a beaucoup d'étapes. Oui, c'est ça. Non, c'est pas... Non, je refuse. Et moi, je l'ai non, fait. Non, c'est pas c'est la un, même chose. Là. C'est un spectre. S'auto-soucer, là, c'est comme... T'es comme... Chris, es-tu capable de licher mon... Mais non. Il y a rien là. C'est la même chose. C'est la même chose. L'énergie de l'univers. Je pense que c'est Guillaume Lemaitre-Vierge que ce gars-là... Il croit pas au vaccin, mais il croit son pénis à l'ange. Tu penses que t'es qui? Kratos, ouais? L'univers. OK, l'énergie de l'univers la porte vers sa verge et fait des mouvements de va-et-vient avec les mains. Attends, c'est quoi? On essaie de le faire? Non, mais il y a les bras au-dessus. Mais ça commence avec les bras au-dessus de sa tête. Il prend l'énergie de l'univers, la porte vers sa verge. Et fait des mouvements de va-et-vient avec les mains. On dirait une gymnaste aux Olympiques qui attend que les juges applaudissent. Mais pour vrai, tu niaises, essaye-le, ça pense à ben ça. Mettons là que, mettons... Ça marche. C'était pas de l'air tu... de pouvoir marcher, ça. Ben, qu'est-ce que je perds à part... On dirait qu'il manque, mais il faut qu'il soit brûlé, là. Ah, c'est ça a l'air quasiment d'une performance de contemporain. Moi, ce que j'avais en tête, là, c'est une performance de contemporain. Toi, tu l'avais comment en tête, Preach? Ouais, vas-y, Preach! OK. Oh, ouais! Le gars! Comprends? Définitivement ça. Comprends, le gars, non, il faut qu'il soit brûlé, ouais. Là. Fait qu'il faut que t'ajoutes de la brûlance dans l'affaire, là. Oui. Comprends? C'est ça, oui. C'est ça. Oui. Il faut dans le fond, l'énergie de l'univers! Mais dans le fond, c'est pas son pénis qui allonge, c'est sa bedaine qui est déçue pis il voit plus sa graine. C'est comme ça, allonge! Non, c'est juste tu maigris pis... Le gars, il est mêlé. Le gars, il est mêlé, ça arrive. On est tous mêlés pis on s'auto-suce. C'est déjà assez auto-culilingus? Non. Ben, tu perds ton temps. J'ai tout le temps culilingus. Hey, pour de vrai, c'est justement ça, là. Tant qu'à faire des sujets que t'es suant, c'est génial. Pour Zianoun, là. Ouais, vu de même. Arrête avec ça. Flick the bean, cabron, let's go. On a le way. C'est un débat en français. Débat sa chatte. Débat sa chatte. Je comprends. C'est sûr qu'il a la veine du front pété, cet homme-là. Sûr. C'est pas la bonne veine. Non!
Je sais qu'à partir c'est de ce là... Ce qu'on fait, c'est-tu de la culture? Je sais pas. C'est-tu? Je sais pas, mais tu peux demander une subvention pour ça, monsieur. On va essayer. Bon. Appelle le gouvernement. Je sais qu'à partir de là, j'aurais dû inventer une raison pour le mettre à la porte. Parce que clairement, il est pas tout là, mais j'étais jeune et naïve. Et je me suis dit, c'est le bon. Ça veut dire qu'à quelque part, elle dit que ça marche. Ça, c'est le bon! C'est le bon! C'est le bon! Donc, le bon. On passe par-dessus et on ignore le red flag numéro un. Je sais pas si c'est un red flag, ça. Ça, c'est genre le marais. C'est pas un red flag, c'est la Chine au complet. Au complet! Au complet! Pas un red flag! Tabarnak! Un red flag, c'est, mettons, si j'aurais, puis OK. Ça, c'est... Un red flag. OK. J'ouvre donc une bouteille de vin et on soupe. Jusque-là, tout va bien. Il est un peu space, mais bon, il est cute. Je suis désespérée. Je passe donc par-dessus quelques autres red flags durant le souper. Ah, il y en a d'autres! Bon. Viens donc la... Je pense que non, mon chum. Sérieuse, là. Vient donc la soirée et on s'étend dans mon lit pour écouter un film Batman Forever. Et j'ai toujours espoir à ce moment qu'il retrouve la forme et me saute dessus. Toutefois, ce n'est pas tout à fait ce qui arrive. Le film est à l'écran depuis à peine 15 minutes qu'il met sa main sur mon ventre et se met à chanter la chanson d'Isabelle Boulay depuis le premier jour. Yeah! J'ai su que je t'aimais. J'adore ce gars-là. En plus de... Ça, c'était la toune... Meilleur gars, je suis d'accord. C'était la toune d'Un homme et son péché, ça? C'est ça, mon Alexis, mon amour et ma vie. Pierre-Luc, tu peux-tu la faire jouer dans quelques secondes ou dans quelques minutes? T'as-tu dit meilleur gars? Ouais, meilleur gars. Ouais, meilleur gars. C'est lui qui dit meilleur gars. Meilleur gars. Vous souvenez-vous de Karine Vanasse qui mangeait de la confiture avec sa main? C'est quoi ça? Ben, dans Un homme et son péché, ça la laisse sur le bord de la rivière manger de la confiture avec sa main parce que Séraphin l'empêchait de manger de la confiture. Ah! Ouais. Ben, c'est un grand moment du cinéma québécois. Je sais pas, mon amour. Il voulait pas lever le chauffage, puis il voulait pas qu'elle mange de la confiture. Mais c'est Pierre Lebeau, fait que c'est correct. C'était Pierre Lebeau. C'est-tu un fantasme, selon toi, Pierre Lebeau? Hey, je suis content de pas avoir vu ça. Là. T'as pas vu Un homme et son péché? Non. Ça t'excite pas, Karine Vanasse qui mange de... Elle mange de la confiture en pleurant. Pleureuse du puits, la regarde. Bon, depuis les premières choses, j'ai juste que je t'aimais. En plus d'être super malaisant comme situation, il chante super mal. Bon. Je pense pas que c'est ça la chose la plus... Ça contribue, Manon. Ça contribue, mon amour. Je me retourne et lui demande un peu apeuré, « Mais qu'est-ce que tu crisses exactement? » Il me répond, en regardant dans les yeux, « C'est une pratique pour quand tu vas être enceinte de nos enfants. » Ah, oh, j'aime ce gars-là, man. Tu sais, on pensait que c'était le meilleur gars. Sauve-toi. Ah non, faut qu'il reste. Faut qu'elle reste. meilleur gars, dude. Ouais, meilleur gars. Meilleur gars. Meilleur. Meilleur. Meilleur gars. Meilleur gars. Meilleur gars. Dit-il avec sa main entre la fourche de sa gueule. Ouais, parce que lui, c'est le, il juge les meilleurs gars. Elle a le crotchless panty. Crotchless panty. Il y a Nelson Mandela, ce gars-là. Ah, fuck, man. Ouais. Quand qu'on va... Ah, oh, ouais. Non. Le red flag ne peut plus être ignoré. Je me lève donc, prends mon téléphone sans fil parce que je n'avais pas encore à ce moment un cellulaire. Oh, OK. Je vais... Back in the days. Je vais à la salle de bain et appelle mon ami en panique. Je lui demande d'attendre 15 minutes et m'appeler pour une urgence. Je retourne... C'est difficile de dire à quelqu'un, de toute évidence, t'es bizarre, sors de chez moi. Ça a été vraiment beau qu'elle se mette juste à chanter avec lui. Ou qu'il y avait juste... J'ai juste... su que je t'aimais. ou qu'il y avait juste comme... hey, mes exercices d'allongement de vagin aussi m'ont complètement mis KO, faut que j'aille dormir. Ouais, elle a fait l'inverse. Elle raffirme son vagin avec café. Oui. Oh, mais ça, c'est des kegos. Oh. Ça, face à face. Fait qu'elle fait juste se pratiquer pour faire des bombes dans la piscine. Ouais. Non, elle se pratique pour quand elle va accoucher. Ah, pardon, pardon. Mon erreur. Je retourne un peu à reculons dans ma chambre et j'attends l'appel de mon ami avec comme impatience. Comme Michael Jackson. Excuse-moi, c'est l'image que j'ai. Un partant que le sans-fil, appelle-moi en urgence. Poum, poum. Elle retourne à reculons dans sa chambre. C'est l'image que j'ai.
Ben voyons, qu'est-ce que tu fais? Excuse-moi, je me pratique pour quand je vais devenir pédophile. J'anticipe devenir pédophile, wow. Parce qu'elle va pas sortir avec des gars de même, câlisse. Elle m'appelle, je fais semblant d'être surprise et paniquée et je lui demande de partir parce que je dois aller rejoindre mon ami. À ce moment, moi j'habite à Longueuil et lui il est de Laval. Oh! Oh, oh gars de Laval! Gars de Laval! Depuis tantôt, on vous le dit! OK, bro! OK. Puis en plus, la fille de Longueuil, elle trippe sur ce gars-là. Fait que je sais pas ce qui est pire. Je sais donc que j'ai le temps de lui laisser run message. Run? Un? OK, non. Un message. Excusez-moi, c'est écrit. Il y a un R devant le mot un, mais je pense. C'est parce que c'est écrit laisse run, mais c'est laisser un. En tout cas, whatever. C'est comme on avait tout compris. Ah, bon. Je sais pas ce que tu fais bien t'excuser. OK, message au son répondeur de maison. Un message qui dit gentiment « Je veux plus jamais te voir ». Ça sonne, le répondeur embarque. Je commence mon message et j'entends le téléphone décrocher et un allô voix féminine résonne dans mes oreilles. Tout est bon. Elle me dit « Annick, c'est toi Annick? » « Oui, c'est moi. » « Ah, je suis la mère de... Oh. » »« Il m'a tellement parlé de toi, j'ai super hâte de te rencontrer. » Meilleur gars? Meilleur gars! Meilleur gars! Meilleur gars! Le gars, il déroge pas! Meilleur gars! Wow! Meilleur gars! C'est toi encore plus d'arguments! Sur ce, meilleur gars. J'ai paniqué, j'ai dit que je me suis trompée de numéro de téléphone et j'ai raccroché. Comme c'était une ligne téléphonique à la maison, on ne pouvait pas bloquer les numéros comme maintenant sur le cellulaire, mais j'avais à ce moment l'afficheur, donc j'ai pu voir et entendre les 20 messages qu'il m'a laissés sur mon répondeur durant les 2 semaines qui ont suivi notre... Justement, Q? Meilleur! 20 messages, c'est quand même beaucoup. 20 messages! Il faisait pendant qu'il allongeait son pénis. Pendant ces exercices. Durant les 2 semaines qui ont suivi notre 2e et dernière rencontre, et encore aujourd'hui, je me demande si les exercices pour allonger son pénis fonctionnent vraiment. Fin. Quoi? Non, tu sais pas, madame. Tu sais pas. Moi, je suis agnostique. Q Music. Tu l'as-tu? Tu l'as pas? Ah! C'est bon. Ah, oh, c'est beau. Mais oui, tu te souviens pas de cette toune-là? Non, parce que je suis pas homosexuel. Isabelle Boulay. YouTube, elle voit pas ça. Non. Oh, comme c'est beau. Meilleure femme. La terre entière. OK, vous la connaissez, là. Hey, ceux qui veulent chanter, chantez. Vous la connaissez, puis elle est espèce. What the fuck? C'est bon! C'est bon! Non, non, meilleure femme. Je te guette à travers la clairière. OK. Mais oui, elle va manger la confiture. Ah, parce que c'est la fin! De ma colère. Des lighters de Punta Cana. Rit ton nom. Il m'a reçu une machette. Dans mes prières. Ouais, moi, je vais briser mon ça. Encore, Alice. Alexis, mon amour et ma vie. C'est bon. Moi de mai. Oui, ça. Ben d'accord. Quand le pommier refleurira. Vous gossez, là. En passant, juste vous dire. Si on avait un pays, ça serait le même tous les jours. Dégueulasse. Tous les jours. Moi, je suis dans votre gauche pour qu'on vive ça, là. Vous me dites. Mais je pense que c'est assez, là. On a. Il veut pas la couper. Tu sais, elle est correcte, cette chanson-là. Correcte, hey, voyons. Il y a quelques chansons qui sont beaucoup mieux que celle-là, qui peuvent rallier tout le monde. Juste mentionner. Barbies, reste au bord, grill. J'en ai plein comme ça. J'en ai plein. Il y en a plein comme ça qui sont meilleurs que celle-là. Le 9-3-7. Le 9-3-7. 0-7-0-7. Tout le monde. Clap à ton
pour déménager. Vous signalez le 937-0707. Not on my watch, bitch. Not on my... What is wrong with you? Ce qu'on vient de vivre, là. On est de Brésil, on est de l'île Perrault. On date de Blanville. On date de... Ça marche! J'ai gagné, je m'en crise! Ah oui. 3-3! 3-3! Crise! Juste mentionner ce qu'on vient de vivre, là. Oui. Il y a quelques années, le gars qui a voulu tirer sur Pauline Marois, c'est ça qu'il avait peur. Les Anglais se réveillent! Couchez-vous, les Anglais, comme maman! Couchez-vous! 0707. Tout le monde! Réclame à ton bonjour! Le 937-0707! Le 937-0707! Le clap à ton pour déménager! Vous signalez le 937-0707! C'est plus court, puis ça marque tout le monde! Merci, merci, merci! Tout ça, c'est bon. Tout ça, c'est bon. T'avais pas une, t'as pas amené une autre date, mon amour? J'en ai d'autres. Mais oui. On vit ce qu'on a à vivre, là. J'ai appris ça d'énergie zèle. Faut que je vive les émotions. Yo, parle-moi pas si je chante Sour Puss, ma crème. Oh! Wow! Ah! Il en manque une. Barbies, mon chum. Barbies. Mon premier chum puis moi, on sortait tout le temps au Barbies puis on avait les étiquettes de rabais qu'on recevait par la poste. Of course! Ce gars-là, c'est un rat. Ah, pour vrai. Ce gars-là, c'est un rat, je te jure. Ça nous donne accès au bar... Quel festin et toute une ambiance. Tout le monde! Barbies reste au Let's go! Rendez-vous au Barbies Resto Bar Grill. Ah, ça pas... clenche n'importe quel tune. Ils font pas ça à J.T. Temple, hein? Bon, J.T. Temple, c'est 3 heures de J.T. Temple qui dit c'est tough être une vedette. On te reconnaît à l'épicerie! Ok, pis, calice. Arrête d'avoir des cheveux de même, ils te connaissent pas, ils font oui, hein. Je l'aime, j'ai du temps, moi. Je l'aime aussi. Moi aussi. Barbies, bro! Barbies! 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 Là, c'est la première fois que j'ai un podcast. Meilleur gars! Meilleur podcast! J'aime, c'est la première fois qu'on a un podcast, pis on perd des calories. C'est grave. Yo, c'est chaud, là, d'où? Pas l'affaire, on donne un show. C'est l'énergie de l'univers, Preach. Yo, est rentré en toi. Oh! God, this is weird. Oh, wow. Tu l'as garoché comme si c'était une poursuite. Est-ce que tu veux la lire? Ouais, sure, let's go. Mais ça, je pense que c'est bien écrit. Avec mes prouesses de lecture de deuxième année primaire. Je sais pas pourquoi je rote, là, mais parce que j'ai gère mon resto bar game. Un gros rot chaud, là, tu sais, là. Le genre de rot que le gars à l'arrière de Batman, il fait, là. Tu sais, c'est quoi? Tu sais, là, à quoi je ça n'a pas rapport, là, mais. Parce qu'il y a une autre affaire que j'appelle un rot chaud, là. Tu sais, l'été, quand tu rentres dans ton char, puis il fait super chaud, puis tu ouvres l'air climatisé, puis tu as un vent. Ça, c'est un rot. Pour moi, c'est un rot chaud. Ça même, c'est un rot chaud de char. C'est un. Version char. C'est tout humide, puis en tout cas, un rot chaud de char. Ah, c'est extraordinaire. OK. C'est un homme qui crie. Okay. Un homme, cool. D'accord. Les Rocheuses. Ça, c'est un titre que toi, non, c'est moi qui donne les titres. Mais il faut que j'arrête ça, parce que. Il y a personne qui nous écrit Les Rocheuses, comme il y a personne. Il n'y a personne de rushant comme ça, là. À part ça, merci de nous écrire. Si vous voulez nous écrire, je répète, couple ouvert podcast, meurs pas. Couple ouvert podcast gmail.com. Je le répète parce que tu veux pas envoyer ta date, genre, n'importe qui. Salut vous deux. Fuck me, I guess. Cette personne est raciste. Non, pas ça. Il ne voit pas les couleurs. Laissez-moi vous raconter la fois où j'ai traversé le Canada pour une date avec une fille. Intense. Tabanane. Intense. Mais c'est correct.
Un peu de backstory, je suis allé passer 2 mois en Colombie-Britannique à l'été 2020. Ah, c'est récent, on a des dates. Oh! Beaucoup de plaisir, de nouveaux paysages et d'expériences. Or, j'ai eu la chance de partager un summer fling avec une fille en voyage là-bas. Un quoi? Un summer fling. Ah, okay, excusez. Le gars, il écrit « or », il sait écrire, là. Mm-hmm. Le gars, il écrit « or ». Deux belles dernières pour semaines. Pour qu'on rit de sa vie amoureuse sur Internet. Mais summer fling, ça existe, là. Summer oui, fling. Oui, ah, oui. Oui, oui. Montre ton amour, ma chérie. Ils sont pas toutes froides. J'ai vu Grease comme tout le monde, ça va. On voulait juste être attends, sûr que c'était le référent. Attends, on chante cette chanson-là, c'est une bonne tune. Non, non, c'est okay. Parce que... On part une toute main, là. Tu pourras pas passer par-dessus Barbies. Je te l'accorde. Pourquoi je me battrais contre ça? Deux belles dernières semaines qui ont bien terminé mon été. 3 semaines après mon retour au Québec, je prends la décision de repartir la rejoindre. God damn, bro. Okay. That pussy must be good. Let's find out. Repartir la rejoindre en voiture pour passer l'hiver là-bas avec elle à travailler. Je fais mes bagages, je prends mes arrangements, calcule mon budget, dis au revoir à mon monde pour au moins 6 mois. Mon Dieu, wow. 4765 kilomètres de distance, 2 traversiers à prendre, j'arrive dans 5 jours. It's a date. No, it's a week, bitch. Pas juste une date, là, mon chum. En tout cas... J'arrive sur l'île où elle se trouve. On s'embrasse, super heureux de se voir et de ce qui s'en vient. Moi. Non, j'ai rien pour rapporter moi. C'est un tueur, soudainement. Va falloir faire attention où on se stationne, surtout à cause de nos plaques du Québec. Les locaux nous aiment pas beaucoup. Des junkies keb ont fait du vandalisme au centre-ville. Quelques personnes ont déjà eu des vitres brisées, des pneus crevés. Même une voiture a été mise en feu. C'est la fille qui dit ça. Ah. Oui. Elle avertit. Ouais, elle avertit. Il y a ouais. du racisme. Va falloir faire attention où on okay. s'assume. Hein? Ouais. Les Anglais, ils veulent pas. Ouais, premier red flag qui dit. Oh. J'ai réussi à me trouver un endroit où stationner ma voiture pour dormir sans être inquiète de me faire vandaliser. L'endroit en question est un cimetière de bateaux et de véhicules récréatifs. Oh, Chris! Terrain privé géré par un résident qui n'a plus toute sa tête dû à ses années d'excès de substances diverses. Deuxième crise de gros red flag. C'est vraiment ça qui a marqué. On passe 3 jours à chiller, visiter les plages, on se colle devant tout le monde. Je retrouve la vibe de mes 2 semaines passées avec elle, je me sens bien. Puis, un soir. Moi, c'est vraiment ça. On aurait dit la voix dans le trailer, c'était bon. Ouais. Oui, c'est ça. Ah, ça. Ça se peut, ouais. C'est ma voix FM. Vous êtes au direct du Fuzzy de Brossard. Avec DJ Barry the Wizard, le mar. Feel c'est tout pour the un love generation. OK, bon. Puis, un soir, qu'on sort au resto en gang, elle disparaît pendant 20 minutes. On entend tous autour de sa voiture. On attend, pardon. Ouais, on attend tous autour de sa voiture parce que c'est elle notre lift. Elle revient avec un autre gars. Oh. Aperçu vite au début de mon séjour. Son attitude est froide, voire déstabilisée. Elle est distante. Elle passe la majorité de la soirée à parler avec le gars, comme s'il réglait une dispute. J'arrive pour aller me coucher. Sa voiture n'est plus là. Sa voiture qui nous servait de lift, pardon, de lit, à tous les deux, dans lequel j'ai mes oreillers, mes couvertures, bref, tout ce que j'ai besoin pour dormir. À tout le monde. Si t'es pour faire 5 jours de char, assure-toi qu'elle ait un appart. C'est quand même... Hey, je viens te rejoindre. Ouais, mais je pense qu'elle a un appart. Non, elle a pas d'appart. Ils vivent dans avec leur char. Dans le lit. Le gars qui a non, je connais l'histoire, là, non. Oh. Tu vas voir. Puis elle sait pas de voler les punchs, là, mais ma oui, chance. C'est ça. Mais non, moi, je l'ai pas lu. C'est lui qui l'a exactement. Lu. Exactement. On va découvrir okay. ça ensemble. Mais attends, il y a un appart, vous allez voir. Troisième red flag. La tête de la... C'est vraiment... OK, bon. On sent genre dans Goosebumps. On se rappelle-tu de Goosebumps? Oh, fais-moi ouais. peur. Chris, que c'était mauvais. Ah! Oh, mais non, mais c'est parce que toi, t'étais plus vieux.
Ah, ça se peut. C'est ça, t'es ouais, trop vieux. Plus vieux. T'as moi, âge, la mort au bout des doigts, ça me fait encore peur. T'as quel âge, toi? J'ai 34. Ah, c'est ça. Mm. Ouais. C'est ça, ça. Mm. OK. OK. Se faire traiter de vieille croûte. Merci, Steph. Ça, c'était chien. OK. Je me demande à un des gars qui est présent à la soirée s'il l'a vu partir. Ben oui. Elle est partie avec Vincent. Probablement dormir sur son bateau avec, là. Moi, de lui répondre. Ah! Non, juste avant. Y a-tu une histoire entre les deux? Il vit sur un bateau. Imagine, tu fais 5 jours de char, puis tu te fais tasser par un gars qui vit sur un bateau. Ouais, mais contre une fille qui vit dans un char. Tout ça est pas bon. Non, non, on a tous compris ben, là, que c'était pas bon. Attends, là. Mais ça c'est t'excite. Peut-être un, mais c'est peut-être un très beau bateau. Tu sais pas? C'est peut-être un très beau bateau. Je sais pas. Ben, il y a des bateaux très beaux. Généralement, quand t'as un très beau bateau, t'as une très belle maison. Pas nécessairement. Peut-être que tu traites juste son très beau bateau parce que ta femme non, est... Non, je dis ça. Bon, c'est rendu le podcast masculiniste avec les femmes qui volent tout. À toute prise, on veut le bateau. Un bateau. Non, c'est un... Je le donne à... Non, je le donne à Thomas. Tu penses qu'il y a un bateau minable? Non, mais si habituellement, c'est un beau bateau, t'as une belle maison. Ouais. Habituellement. Fait que c'est un bateau qui sent mauvais. OK. Une chaloupe. Oui. Mais pas ça un bateau, mon chum! Ça, ah, mais là, c'est allé dormir sur le bateau, là. C'est pas une chaloupe, là. Hein? C'est allé dormir sur le bateau, c'est pas une chaloupe, là. C'est une chaloupe avec une tente dessus. Arrêtez, vous êtes... Ah, là, non. Pas parce que, c'est pas parce que ça flotte que c'est un bateau, là. Uh-huh. J'ai vu des bouteilles vides dans Saint-Laurent. Bateau! C'est pas de bateau, là, là! Bon, OK. Découvrons-le ensemble. Moi, de lui répondre, « Ah, y a-t-il une histoire entre les deux? » Ben oui! Couche ensemble depuis 3 semaines, genre. Oups. Là, il marque 4e red flag. Mais c'est pas un red flag, ça, monsieur? C'est pas, oui, c'est pas un red flag. C'est que la dame est prise. C'est un deal. Ah ouais, merci, Jonathan. Yo, je savais, là. Je savais, là. Je savais que ce gars-là, là. Pour Jonathan. De vrai. Fuck ouais, man. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi, Joe? Ah, OK. C'est beau. T'es quoi? C'est non, mais oh, les ventes. Ah, est-ce que c'est vrai que Bill Gates, il, dans le vaccin, il y a. Ben oui, puce. Bill Gates travaille aux ventes. Peut-être. Peut-être. Ah oui, au Québec, peut-être. Peut-être. Il adore la place, il trouve ça chaleureux. Il aime ça faire du terrain un petit peu. Il aime ça faire du terrain. Puis le bateau, c'est une chaloupe. Bon. Je m'endors donc dans ma petite voiture. OK, retourne dans sa voiture, mais il n'y a pas d'oreiller. Ça, c'est chien. Siège conducteur, exactement, sans couverture ni oreiller. Et le cœur brisé. Oui. En revenant le lendemain matin, elle m'avoue qu'elle couche avec le gars depuis mon départ, qui lui a avoué ses sentiments la veille et qu'en ce moment, je la cite, elle n'a pas envie de choisir entre lui et moi. Ah. Moi, je choisirais le gars qui a fait 5 jours de char, mais... Yo, ça se passe. C'est les deux, ma chum. Ah, elle veut pas choisir, elle veut les deux. Poids de l'univers sur mon pénis. Elle veut les deux. Pourquoi choisir? Elle veut les deux. Pourquoi choisir? Elle veut les deux. Elle a pas envie de choisir entre lui et moi. Elle veut avoir tous les bons côtés d'une relation. Elle veut avoir tous les bons côtés d'une relation ouverte. Yes. Yes. Couple ouvert. Et sans avoir à dealer avec les moins bons. Bing, bang, rentre dedans, tant pis pour les perdants. Mais oui. Qu'est-ce qui se passe, là? Un autre hit meilleur qu'Isabelle Boulay, Preach? Est-ce que c'est ça que tu souffres? Fuck, ouais, non, non, non. Là, j'arrête. Regarde. Isabelle est extraordinaire. Isabelle est extraordinaire. Mais on n'a pas dit le contraire. Mais. On parlait de crush plutôt? Yo. Isabelle Boulay. Ah, ouais. Arnaque de calice. Ouais, ouais. Oh, ouais, ouais. Isabelle Boulay. Ouais, Isabelle Boulay. Oui, nice. Oui, Jonathan a fait, ben oui. Et nice. Mais oui, ouais. Isabelle Boulay, c'est nice. Quelque chose. Oh, ouais. Elle est encore nice. Oui. Mais oui. Oui, Linda Lemay. Ah, oh, tabarnak de sti! J'ai déjà bu des shooters avec Linda Lemay. T'as dit bu, puis oui, Linda Lemay, je pensais que t'allais dire autre chose. Non, vas-y. Non, bu des shooters avec Linda Lemay. Ticket chill. Ben oui. Fucking chill, cette madame. Je sais, ben, si tu vous payez des shooters, ben là, vous me voyez pas. Je suis comme, OK, Linda. Qu'est-ce que tu bois, tequila? Oh, shit! OK, girl! Ah, c'était merveilleux. C'est la chose la plus érotique que j'ai jamais entendue. Boire des shooters avec Linda Lemay. Uh-huh. Tu sors avec Stéphanie, un peu de respect, bro. Bon. Elle a mis un concombre dans son vagin. Ouais! Bro. Ouais! Good job, ça upstage Linda Lemay de mes shooters, là. C'est différent. Il y a deux choses. Je suis végane.
C'est vagin qu'on dit. OK. OK. Oh, c'est génial. Je suis rendu où, là? Le elle veut tout. Got it, got elle it, got it. Elle veut tout. La reine a fait. Elle veut tout. Ah, oh, tabarnak. Moi, je l'embarque pas. Hein. C'est j'ai que... pas, je suis moins non. Non, on l'embarque moins quand je chante. Quoi, ça? La toune « Je veux tout » de... Voilà! Ariana quoi? Ouais, c'est tout. Ah, je ouais, okay, chill, Ariana. Ouais, mais elle est bonne, cette chanson. Tu peux non, des shooters. Ouais, yo, on va gagner Félix avec ça. Oui! Puis, te le mettre dans le chat. Quoi pas? Quoi pas? Parce que, regarde, le problème avec Olivier, c'est que le petit chapeau, ça fait mal. Il y a le cap coupant, il y a le petit chapeau. Mais attends, ouais. Preach, il y a un Gémeaux. On pourrait wow. y emprunter. T'es vraiment prêt pour les Gémeaux? À la couche, ouais. T'as-tu fait tes exercices? c'est qu'on s'en sortira pas. OK. À veut tout. Vers la fin de notre discussion, le gars en question l'appelle et lui dit « Viens-t'en me rejoindre au centre-ville du village. Si tu t'en viens pas tout de suite, je dis à la blonde, à Philippe, que tu as couché avec récemment. » Moi non plus, j'ai pas compris ce bot-là. Moi non plus, je sais pas, madame. Je sais pas, madame. And a wild Philip appears. On va relire ensemble. On va relire ensemble, OK? J'ai lu ça, je pense que j'ai fait un ACV. Si tu t'en viens pas tout de suite, mm-hmm. je dis à la blonde à Philippe mm-hmm. que, t'as couché que avec tu récemment. As couché avec, oh, avec Philippe. Oui. Récemment. C'est ça. Gros ultimatum vraiment toxique. En effet, mon cher. Mm-hmm. C'est une femme même couché avec les hommes. Puis oui, mais c'est correct. Ouais, je comprends que c'est correct, mais c'est pas... Ce qui est cool de coucher avec des hommes, tu dis aux autres hommes que tu couches avec plusieurs hommes. So live your life! Yo, c'est ma chorale, bro! Bro, c'est ma chorale! Rock, Richard! C'est ma chorale! Rock, Richard! C'est ma chorale! Là. Les petits chanteurs du Mont-Royal, ouais. Les petits chanteurs de Longueuil, t'as frac! Les petits chanteurs du boulevard Tanchereau, du boulevard Tanchereau! Oh, génial! Oh, my God! Si vous êtes on point... Ah, bon, ça applaudit, vous êtes extraordinaire! Les chanteurs de Longueuil, tout le monde, on s'applaudit! Applaudissez-vous, vous êtes extraordinaire! Yo! Oh. Quand tu fais des blagues comme ça, tu sais jamais si elles vont lander votre temps de réaction. Con, lisse, cette blague! All right. Il faut savoir que la blonde du dit Philippe est enceinte et ne se doute pas que son chum a été infidèle. Oh là là. Cinquième calice de red. Arrête de compter les red flags. Le tabarnak! Faut qu'on parle, ça OK? Arrête! Oui. Arrête! Mais non, mais c'est parce que Manu aussi, il en faut qu'on pack your shit and leave, bro. Ouais, l'autre bord, l'autre There's bord, other bord. People in BC, OK? There's a world to see. Our own world. Ils sont dans un... C'est parce qu'ils ont arrêté les karaokés depuis le fucking confinement. Là, je t'en manque un peu. Il y a un... Ça ressort. C'est ça qui se passe. Les nerfs! Elle a échappé sur ce clin. Son clin est tombé. Ging-a-ling, ging! Ling-a-ling, ma chum. Wow! Ça va prendre partout et là, là. Là, là! Jesus Christ. Chante Isabelle Boulay, puis viens... Donc, elle repart rejoindre... C'est quoi la musique la plus weird sur laquelle t'as baisé? Ah oui, c'est tu baisses pas sur la musique. Mettons une fois, là. Mais je baisse... Mauvais choix, let's go! Je baisse pas sur la... Mauvais choix, Chris. Excuse-moi. Ah, OK. Weird. Ah, mais je baisse pas sur la musique weird. OK, mais faut mais sur de la bonne musique. Moi, faut que je compte ça, puis c'est pas une blague. C'est comme... Oh, non. Quoi? Ah ouais, quoi? Hey, donc, mais, quoi? Yo, le crowd est passé de super réactif à attitude. Non, mais... Yo, quoi? Non. Quoi? C'est quoi la bonne? C'est quoi? Quoi? C'est pas gay! C'est passé de nice à fucked up très très vite, là, les amis! Je fais un show de stand-up! Alors, tout le monde, j'ai une histoire à vous conter. Quoi? C'est quoi encore, là, tes histoires, là? C'est quoi, ça va être drôle? Quoi encore, Thomas? Qu'est-ce que tu vas nous sortir encore? Les chums! Bon. Je sais pas si c'est la fille qui a un dildo sur la tête. J'ai l'impression que...
Alors, je sais quoi, c'est la fille avec la boîte. Elle veut juste rentrer à la maison. Elle come away. Et enchaîne. Wrap up! Wrap up! Et comme yo! Ah ouais! Et des culottes, des dédos là-dessus, là. Ah ouais! Enchaîne! Quoi? Ça vibre dans la boîte! Oh shit! All right. Quelle toune! Faut faire deux choses. Deux affaires. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup écouter. J'aime écouter la musique, mais j'aime écouter des. Je suis humoriste, puis j'aime écouter des discours pour savoir c'est quoi du verbe. Fait que j'ai de la musique et j'ai des discours importants. À un moment donné, je baisais avec une fille. Puis pendant que je baise, je vous jure, c'était sur Shuffle. Fait que le discours de la défaite du nom de René Lévesque en 1980 est parti. Puis là, pendant ce temps-là, t'étais comme. Oui, oui, non. 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 Non, mais. Non. Est-ce que je sais de cette non. prochaine fois? Non! Ouais. T'es-tu venu? Ouais. Mais ça aurait été meilleur... Une prochaine fois, 95, peut-être. Ça aurait été meilleur sur Lucien Bouchard. Mais tu baises une fille puis tu fais « Garde, ça va te battre par quoi? » L'argent puis les immigrants. Pas Lucien Bouchard, c'est genre Parzeau. C'est Parzeau. Mais le bonnet de technique. Oui, Jean Parzeau. C'est ça. C'est comme, imagine, t'avais baisé là-dessus. On se fait battre par quoi? L'argent puis les votes ethniques. La même affaire que ta fille sexuelle. Je rêve, ils ont raison. Les voix techniques, c'est nous autres, on veut toutes vos faire pour vos jobs. Ok, cool. Y'a aucune idée de ce qui se passe avec le gars. Mais tu voulais pas dire la toune aussi? Non. On est rendu à 5, j'ai déjà parlé. Ok, parfait. Dans l'autre podcast. Sur System of a Down. Ouais, System of a Down. Ok, c'est bon. Parfait. On a rappé ça sur un autre, c'est pas grave. Ok. Puis t'écoutes pas jamais de musique? Jamais. Jamais. En baisant, non. Toi, pour l'amour, t'as-tu répondu? J'ai déjà fourré sur le premier album de DJ Champion. Mais ça, c'est bon. C'est cochon. C'est les guitares. Ouais. C'est, non, c'est de la base. Ben, oui. Okay. Il y a de la guitare aussi. Non, excuse, mais c'est une mauvaise fois. Le premier G-string, album là, de DJ Champion? Des... Ouais. Ouais. Comment ça arrive, ça? Mais tu trouves pas ça bon, la musique? Il y a une autre affaire. C'est pas ça que j'ai dit. Comment ça arrive? C'est vraiment, vraiment très, très simple. La personne... Baiser là-dessus? Oui, oui. Ouais. OK, je vais encore répéter. Ben de la I, mais je vais dire un show entre autres. Mais si je le pense, faut être blanc. Parce qu'il y a tous les blancs dans ça, on a fait. Ouais, c'est pas drôle, on a tous fait ça. Non, pas tant. Sûr que non. Je regarde une couple de face, on comme. OK, par applaudissement, qui trouve ça excitant, voire normal? Call. C'était dans un, hey, c'était dans un CD player. On va le revivre. On va le revivre. Pas obligé. Hey, on va les laisser. Faire leur Pierre Luc! La toune! Oui. Oh Lord! Ok, bon. Mais tu vois, c'est excitant! There is no heaven! Ouais! Oh oui! Ah oui! Oh non! Et qui chante cette fille-là? La fille d'esclave! C'est la fille qui chante, la fille ouais, qui. Ouais, c'est Penny Bonifaci! Oui! Oui. Mm-hmm. Eh oui, c'est une esclave! Ouais, pis. Oh. Ok, madame. Ouais! Puis je pense que Hold On, There is no heaven, je pense que c'est pas une toune d'esclavage. Non, non, non. 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 La meilleure toune d'esclavage, I'm a slave for you. C'était un esclave. En plus, c'était un esclave jusqu'à il y a quelques jours. Mais oui, c'était un esclave, je ne l'ai plus. It goes right back around. En passant, moi, je suis content de ces photos Instagram. Mais ceux qui se plaignent, mais là, tabarnak, hey, moi, j'ai son père. On aurait pu avoir ça il y a genre 10 ans. Fuck you, monsieur. Ouais. C'est vrai, puis c'est ça, c'est vrai que c'était un esclave de son père. Oui, absolument. What goes around. Elle a eu un drôle de relation avec son père, puis elle veut se monter tout nu. What goes around comes back right around. Voilà. Cry me a river. Oh, voilà. Justin Timberlake. OK. Oh. Yo, on est hot culturellement. Bah. Nous, Spears. Tout le monde. OK, oui. Britney d'accord. Spears. Ouais, DJ la fille champion. Qui crie tout le monde. OK. Je sais pas pourquoi je suis agressif comme. Là, un impact sur ça a moi. Transféré, man. Ça a transféré. Tu me cherches tout de me trouver. Mais non, je. OK. Comment ça finit cette histoire-là? Je suis aucune calice d'idée, mon chum. Il y a okay, un gars, la communauté. On est rendu à la cinquième calice de Red Flag. On est rendu au 11e Red Flag. 5. Elle part le rejoindre et revient avec lui au campement. Le campement? C'est quoi, c'est pas je la réfugiés. Prends à part pour qu'on se parle un peu. Mm-hmm. Et elle me dit qu'elle préfère garder une distance affective avec Vincent et moi. Qu'elle doit réfléchir à tout ce qui se passe. Mm. Le même après-midi... Elle va aller fourrer quelqu'un d'autre. Quoi ça? Elle va juste aller fourrer un autre gars. C'est ça, c'est vraiment trop ça. Compliqué avec c'est tous les autres. C'est sûr. Là. Non. Non. I'm a do me. Oui. C'est sûr. Le même après-midi,
Elle couche avec dans sa voiture qui est stationnée juste en arrière de la mienne. Hein? Ah. Me voilà à l'autre bout du Canada pour une fille qui manque de transparence. Non, non, si tu le savais, tu l'as su. C'était transparent. Ben, c'est plutôt clair. C'est, ouais. Tu sais, t'as vu tous les rêves. C'est dans le char en arrière, t'as juste là. À mettre le miroir comme il faut. Rétroviseur. Et donc, je vois la voiture bouger au rythme des coups de DJ Sambion. There is no heaven not for you, trifling bitch. OK. Coup de bassin de son amant édenté. Oh! Aux allures d'Ovechkin, ça, c'est chien. Non, c'est physiquement. Tu sens le grizzly, là, t'es fâché, mon gars. Faut-tu le sortir, là? Faut-tu le sortir, là? T'as mal, là. Faut-tu le sortir? Qui hiberne au chaud depuis 3 mois. OK, là, t'as vraiment mal. Non, faut qu'il sorte. Faut qu'il sorte. C'est ça que tu penses. C'est pas un cancéreux, c'est le même que ça part. Mais oui, c'est ça. Sors pas cette affaire-là. Ce soir-là, je lui avoue que je quitte. Car la situation est trop toxique. J'ai avoué que tu quittes, tu peux juste quitter, là. Ouais, juste. Je t'avoue que je quitte. À quel point hein? Quoi? C'est un quoi? Ben, vas-y, mon chum. Vas-y, je suis occupé, moi. J'ai du travail. Je lui dis ses 4 vérités en pleine face. L'avertis que Vincent a déjà démontré une toxicité. Oh, ta gueule. Ben, pauvre Paul, là. OK, Captain, ouais. C'est... Mets du gaz, puis va-t'en. Non, juste va-t'en, là. Ça suffit, là. Genre, juste comme... T'as traversé pas non, bientôt. Non, mais ça, on va se le dire, là, ça, c'est comme... Tu fais pas ça pour elle. Tu fais ça pour toi. Merci. On est d'accord, right? On est d'accord. C'est ce gars. Là, je veux dire, t'es 4 vérités. Puis en plus, il est très toxique, ce gars. Il comme... Elle pense pas à toi, là, bro, là. Fini. T'as perdu! Ouais, elle trouve pas très take toxique. Take your L, va-t'en. C'est chill, ouais. Là. Y a pas de problème, là. C'est correct. On est d'accord, right? Il fait pas... Ouais, c'est ça. Ça, je me disais. Une toxicité dans ses actions et de faire attention à elle. Mais je comprends le gars, parce qu'il a été... En même temps, je mais dis, bro, bien, c'est ça pour toi. Chris, il a fait 4700 km. C'est ça, là. Il y a quand même, tu sais, une affection. Non, il y a raison d'avoir mal. Oui, moi, je pense que c'est pas... Je comprends. Éthiquement, comment dire, ça va rien changer, mais ça fait du bien. Ouais, il fallait qu'il fasse. Meilleur gars? Non, il est pas aussi meilleur gars. Non, 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 non. Faites un chandail meilleur gars. Non, le meilleur gars, c'est l'affaire du pénis. OK. Faites un chandail meilleur gars. J'embarque. Tous les gars vont voir ce chandail-là. Les filles aussi. Les filles aussi. Yo, les filles, ironiquement, meilleur gars. Yo, oublie ça. Ouais. Lucie va faire comme, qu'est-ce qui se passe? Je suis donc reparti après seulement une semaine sur cette île de l'enfer. There is no heaven! L'île de l'enfer! C'est Vancouver! Hey, gars, c'est Vancouver, puis il y a une fille qui préfère en sucer un autre. L'île. Vers le Québec. C'est l'enfer, mon frère. Qu'est-ce que l'enfer? Qu'il y a? Une femme qui m'aime pas. Ben là, Christ, moi. Suite à une tentative de infructueuse de me trouver une job dans les Rocheuses, ce qui devait être un voyage. C'est clair que si tu marchais dans les montagnes puis tu criais, qui en gagne? Job! Job! Ça marche pas de même. Job! Ça marchera pas. Ce qui devait être un voyage de 6-7 mois s'est avéré à être un aller-retour d'un mois pour me faire manquer de respect et rajouter 10 000 km sur mon char. J'espère que tu l'as pas pris en location. Mm. Oh! Morale de l'histoire. Il y a une morale, les amis. Si je sens que quelque chose vaut pas la peine d'être vécu, je suis prêt à traverser le Canada en char pour le vivre. Maintenant, me reste plus qu'à mieux évaluer ce qui vaut la peine de me déplacer. Bien joué. C'est bien dit. Bravo. C'est bien dit. Bravo. Mais oui. Mais non, mais je comprends le gars. Je comprends le doute. Je comprends la frustration. Chris, man, 10 000 km. Moi, je te jure, j'ai déjà été à Beaubriand pour une fille. Puis, j'ai en fait... En bus ou en métro? En Uber. Et j'ai fait... Ouais, non. Ça va, moi, mon plus loin, c'est Magog. Wow. De Montréal. Ouais. En bus ou en métro? En char. Ah! Oh, il n'y a rien de mieux. Je ne sais pas s'il y en a qui vont comprendre. Juste shout-out à tous ceux qui ont pas de permis de conduire. Never the key qui a déjà pris un Greyhound pour du sexe. Ça, c'est extraordinaire. Tu prends le Greyhound pour du sexe, là? T'es allé où, man? Ben, à l'époque, j'avais une blonde qui vivait à Gatineau. Fait que j'ai fait du Greyhound. Ah, ouais. Mais c'est correct, c'est une blonde. C'est chill, là. Oui, oui. Ouais. Mais ça, l'histoire que lui a vécue, c'est l'équivalent là, genre du tourisme sexuel du monde qui s'en va à Cuba. Là. Je sais pas. Si tu t'es rencontre, je suis vraiment spécial, il me veut vraiment. Tout le monde est comme genre. Ça, c'est magnifique. Tu veux-tu compter l'histoire de l'ami de ta mère?
Ouf. Ben, c'est une histoire... extraordinaire. Ben, extraordinaire. Après qu'elle abandonne. C'est une histoire traditionnelle. Un, c'est l'ami de ta mère, fait que déjà, c'est drôle. Elle essaie de pas le dire, mais merci pour ça. J'ai-tu dit? Ben non, mais là, j'ai l'histoire traditionnelle d'une madame qui tombe en amour avec... C'est pas traditionnel. Ben, un Cubain ou un Mexicain, ou c'est je sais Cubain. Pas, un Cubain. Il n'y a pas un Mexicain à Cuba. C'est toujours un Mexicain à Cuba. On sait pas. Ben, je me souviens plus. En tout cas, bref. Fait que, donc, Cuba, puis... c'est senti spécial, puis elle a tout laissé, puis elle est partie à Cuba, à temps plein. Mais ce qui est drôle... Elle est encore là-bas? Ouais, mais lui, il est jamais à la maison. Ouais. Puis il habite dans une petite hutte. Meilleur gars! Meilleur gars! Et il y a une autre famille. Ah oh, ouais, c'est génial. C'est même pas pour le visa. Je pense que c'est juste pour le... Ouais, tabarnak, tu vas être ici, esti. Mais en espagnol. Ouais, oh, mais... Toi, être ici, tabarnak. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Que, ouais, c'est, moi, je suis d'accord avec Marga. Ouais. Vous avez combien de temps qu'elle est partie? Plus qu'un an. Ben, c'était avant la COVID, tout ça. Ben, c'est pendant qu'on s'est rencontrés. C'est la première anecdote que sa mère m'a rencontrée. Jesus Christ. Oui, premier souper que Tom est venu souper chez ma mère, elle lui a raconté ça, puis j'étais comme, c'est son rêve, c'est une histoire de c'est mère. Vraiment ça. Il a probablement fait comme... Ah! Ah, mais d'ailleurs aussi... Message aux gens, oui. Message à l'univers. Moi, c'est rendu que comme les gens, ils me racontent leur pire date out of nowhere. C'est génial, ça. Ouais, mais t'es reconnu pour ça, là, c'est ouais. C'est ça. Maintenant, les gens, ils voient en moi la confidence de la pire date. Moi, ils me parlent d'un problème de coke. Comment j'arrête, Thomas? Juste ce CG, il est 7h du matin. Ah. Joue au basket. J'ai pas le temps de parler de ça. Oh. Ouais. C'est beau quand même. Ouais, c'est beau, c'est quoi le pire? C'est quoi le pire? T'as toujours des conseils. Là, ils partent. Puis après, je réalise. C'est pas un bon conseil. C'est pas... Parce tu devrais continuer juste un peu. Non, juste continue, man. Ouais. C'est-tu quoi, c'est la société qui dit que c'est un problème? Moi, puis moi, je dis que c'est correct. Wow! T'as un enfant. Calice! Oh. Jesus fucking Christ. Mais il dit salut, je t'aime. Je dis salut, je t'aime. Preach, oui. Si on veut te voir en spectacle. Ben pour l'instant, j'ai pas de spectacle parce que je suis encore en train de travailler sur mon écriture. Ça prend beaucoup de temps. Tu sais. Mais, si vous aimez bien Mike Ward, je suis en première partie de Mike Ward. Fait que, checker les billets. Oui, je suis la première partie de Mike Ward. Une des premières parties. Sinon, excellent. C'est pas mal ça. Suivez-moi aussi les réseaux hommes sociaux. C'est comme tout que je les appelle. Mm. King Preach the Petty sur Instagram. Ah oui, tu t'es fait. Je me suis fait déliter mon compte. Qu'est-ce que t'as fait? Ils aimaient pas mon compte. Ils aimaient pas mes memes. Je me suis fait flaguer les mines par... Pas du monde, c'est l'algorithme de Instagram. Tu sais, là, il y a une chanson, là. Play that funky music, white boy. Play that funky music and play until you die. Bon, tu comprends cette chanson-là? Il y avait un mime que c'était un chirurgien. C'est un dessin d'un chirurgien, genre, il est masqué. Hein? Puis un scalpel dans les mains. Puis c'est marqué « He lost the patient because he played the funky music till he died. » Ah. Me suis fait flaguer comme mauvaise information sur le COVID. Oh, non! J'étais comme... Mais les frères Tedros, c'est correct. Oui, c'est ça, c'est correct. Le pire, c'est que je l'ai... Tu sais, tu peux contester? Amener en appel, là. Mm-hmm. Puis, tu sais, comme Mike, j'ai perdu. Mais à Instagram, ça t'a coûté moins cher. Ça m'a coûté beaucoup moins cher, mais attends, c'est ça, à Instagram, il n'y a pas de cause suprême. Fait que j'ai perdu mon compte, là. Fait que mon délité, là, j'avais 50 000 abonnés. Wow! Started fait from the bottom, still there. Still ouais, there. Suivez Preach, c'est important. Mais oui. Ouais, fait que, sinon, si vous voulez voir du contenu en anglais, abonne Preach, sinon, c'est ça, là. Si je fais des spectacles, quoi que ce soit, des affaires de spécial, sur les réseaux sociaux, Eric Preach, E-R-I-C-H, Preach, ben comme Papa Don't Preach. Voilà. C'est extraordinaire. Merci, Preach. Et j'aimerais mentionner que
Je sais pas si je compte souvent cette anecdote-là, mais une fois, j'ai fait la première partie, pas de tendon d'Achille. Oui. De Mike, tu étais là. Oui. Je me rappelle t'avoir dit, « Hey, je vais me garocher à terre. Si je me lève pas, lève-moi. » C'est comme, « Ben oui, vas-y. » Ben, je vois, voilà. Ouais. Ouais. J'ai vu deux personnes aujourd'hui qui ont vécu ça. C'est l'affaire la moins intéressante que j'ai jamais dit. Et... je veux vous remercier pour votre un public incroyable. Ah, votre fuck. Oui, merci beaucoup. Merci aux gens de la salle Les Loups. La salle fait une place. C'est toujours un accueil chaleureux. On adore venir ici. Je vous mérite pas. Je sais ce que j'ai fait dans la vie. Je vous mérite pas. Vous êtes parfait pour de vrai, bro. Ouais, Jonathan, let's go. Jonathan. Jonathan, qui travaille chez Microsoft. Le couple. La demoiselle qui est montée sur scène, qui repart avec des jouets pour toute sa famille. Pour toute sa famille. Merci pour le reste, c'est vraiment cool. Merci de l'invitation, c'était vraiment merci, vraiment Preach. Cool. On écoute aussi les Fallops. Oui, les Fallops, évidemment. N'oubliez pas les Fallops. Yes. Avoir une petite dose avec la très fucking drôle. Moi, j'adore cette femme. Mélanie Couture, calice qui me fait rire. C'est extraordinaire. Donc, ouais, suivez-nous, les Fallops. Excellent. Merci tout le monde. À bientôt. Merci. Merci.